Eh bien le bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, tac tac, j'espère que vous allez bien, ici Draken sur Evasion Studio. On se retrouve ce soir sur du Valheim en découverte, et je ne serai pas tout seul, je serai avec mes amis Jake. Bonsoir Jake. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Imra. Bonsoir. Et je serai avec également Monsieur Wedjos. Bonsoir. Alors, petite découverte messieurs, n'est-ce pas? Alors, petite anecdote. Bonjour en viking. Bon, en viking de la Suède d'aujourd'hui. Ça se dit hi. Donc, hi, L'original. Voilà, bien pas mal. sûr, simulateur de bûcheron ce soir. Je pense qu'on va bien s'amuser. Est-ce que nous sommes partis, messieurs? Ah ben vas-y, hein. C'est parti. Alors, vous allez voir l'écran où il faut rentrer le mot de passe, mais le mot de passe est déjà rentré. Le Parce mot de que. passe, tu dois le retaper, je crois. Non, bah oui, enfin oui, je le retapais, mais j'avais déjà tout prévu. Le jeu est en ligne depuis 1 heure et demie. Ah ouais, quand même. Écoutez, je vais faire des petits trucs IRL. Il fallait que je fasse la vaisselle. Du coup, bah c'est parti. Ah! Et oh, merci Jake qui va sans qui se resub. Bah de rien. Merci bien. Je suis outil Comment avec ça? créateur. Alors. Je clique sur le jeu, s'il te plaît, petit Valheim, mets-toi en grand écran. Et c'est parti! Et là, crash du jeu. Et Alors, là. c'est dommage. C'est pas impossible. Ah non! Ce sont les aléas du direct. Attendez, ah, j'ai bon, j'ai le login, c'est bon. Donc Valheim, petit jeu type Minecraft dans le monde des Vikings. Et bien sûr, du lore, beaucoup de lore. Je vous laisse lire. Alors, pour l'anecdote, Draken, vraiment, il est en découverte. Oui. On va le prendre un peu sous notre aile, mais Imra, Wedjos et moi-même, on connaît déjà un peu le jeu. Concernant le lore, franchement, est-ce qu'on se souvient du lore? Bah, c'est non. si je lis le document, tu es un humain qui a été choisi par Odin pour tuer des monstres dans Midgard pour ainsi l'aider à tuer d'autres monstres pour le Ragnarok. Et on arrive sur un gros corbeau. Alors est-ce que c'est Ati le corbeau? Ati qui est un des deux corbeaux d'Odin. C'est Ati et le deuxième, je sais pas qui c'est. Bien sûr, il pleut. Hashtag, nous ne sommes pas dans le nord. Bien Ah mais, évidemment. pour le coup, oui, si, là, c'est très très au nord. Voilà, pour le Non, coup, oui. arrêtez de dire des bêtises. Oula, oula, attendez. Il y a du texte. Le texte est mal centré. J'ai du texte à gauche, j'ai du texte à droite. Willem, Bon, mais... qui c'est Willem? Ah, Willen, c'est moi. J'ai dit que je serais roleplay. Tu Willem! Tu Willem! Tiens Willem! Alors, déjà, le seul truc que je sais sur Valheim, premier truc à faire, c'est sauter pour augmenter l'endurance et courir. On peut pas passer le début quand on crée un nouveau perso. Non. La cinématique, non, enfin le texte. Ou par contre, c'est joli. Elle met 30 secondes la cinématique en vrai. Alors, on va dire, quand tu regardes vers le bas, c'est pas très joli. Par contre, le ciel étoilé, avec Nordrassil, c'est. C'est bien vénère. Hein. Ils ont mis tout le budget graphisme dans le ciel. C'est ça. D'habitude, quand tu regardes les jeux, c'est quand tu rames, tu dois regarder le sol. Là, c'est en fait, tu regardes le ciel. Après, je regarde le sol, je suis à 65 FPS. Je regarde le ciel, je suis à 63, 65. Après, je ne bouge pas. Ouais, Moyenne des si je bouge, je suis à FPS. 40 FPS. Hein. À moins de 20 FPS, moi, on va aller Bon. normal. En fait, C'est normal. Jake il Waouh. joue comme sur Minecraft en roleplay. Je dors À peu près 3. ça. Hein. D'accord. Jour 3, pourquoi jour 3? Bonjour Imara. Bah parce Hello. que j'avais déjà lancé pour tester. Non mais même, Ah je viens ouais. d'arriver. Je suis arrivé déjà 5 minutes. C'est pas 20 minutes un jour? Alors, attendez, il y a des quêtes là. J'ai été Il y a poussé par Huggin qui quelqu'un. nous parle.
Alors, c'est pas vraiment des quêtes. Alors, c'est... Des c'est permis quand tu t'éparpilles dans le monde par hasard. Ouais, c'est une mécanique du jeu, quoi. Ouais, donc il faut aller tuer un mec. Voilà. Il y a peur des nouvelles, vite. Courons comme un dératé. Alors, précision, nous sommes sur Valais modée. Oui, on a apporté, enfin, il m'aura surtout apporté quelques petites subtilités qui vont nous faciliter un peu la tâche. Parce que Valais hors mode, en vrai, c'est pas très intéressant et surtout, c'est très difficile. Est-ce qu'on aura des machine guns ? Sur la minimap, non, quand même pas. Sur la minimap, déjà, on va avoir. On va pouvoir se voir nous, on va pouvoir mettre des informations sur la carte qu'on devrait pouvoir partager les uns les autres. Là, je mets une maison. Une maison. Feu. Bah, feu. Le spawn, en vrai, il y a besoin de le marquer, il est marqué. Alors, bon, qu'est-ce qui nous dit ? Comment on choisit la torche ? Donc là, ça c'est ceux qui nous parlent. Tabulation pour l'inventaire. Ah oui, c'est tab. Alors, tac, ici tabulation, et du coup on a nos niveaux, donc pour le moment on a le bâton, le blocage, sont les armes, sauter et courir. Et en fait, quand on fait des activités, on gagne de l'XP. Je crois pas le corbeau, il vient de me faire de la pub pour les mods. Oui, c'est, oui, il le fait, c'est la troisième fois quand tu l'interagis avec. Pas oui, ça. Soutenez le corbeau sur Patreon. Patreon ? Patreon. J'ai mal, patron. Ah oui, t'attaques direct, incroyable. Je fais 0 de dégâts. Alors, quand la température baisse pendant la nuit, si vous êtes humide, vous aurez froid. C'est un méchant. Est-ce qu'il y a une mise en groupe ou autre, ou je sais plus comment ça marche. Un gobelin, à mort. Par contre, je sur la minimap, je vois mon point à moi, mais vous non. C'était fait exprès ou c'est. Je me souviens plus. Je crois qu'on voyait pas les copains sur la map de base. Voyez pas. Alors, déjà, il faut que tu coches visible pour tous les autres joueurs. Ah, c'est où oui. ça en bas, bah, oui, tu vas, faut cocher ça. Tu vas dans ta minimap, tu fais visible pour les autres joueurs, et après, tu mets ton ping. Là, moi, j'ai mis un ping de feu. Voilà. Attends, je ping partout. Alors, la minimap, elle est en même temps sur le chat. Ah, attendez. Faut que je tape pour récupérer le pouvoir. Pour l'instant, on voit que Draken et moi-même sur la map. Ah bon ? Parce que moi, je te vois. Est-ce qu'ils ont pas encore activé ? Ah oui, oui, Wed, oui, c'est vrai, oui. Voilà, donc on voit bien Imra. Maintenant, à Jake de le faire. J'aimerais bien. Appuie sur M pour ta minimap. Aïe ! Au secours ! Et tout en bas à droite, tu dois. Oui, non, mais c'est pas ça le problème, c'est que j'avais repéré, c'est juste qu'en fait, il y a le chat qui s'ouvre en même temps. Le chat du jeu. Ah bon ? Une question de bind, toujours en français. Et tout va bien. Je suis en train de faire de la boxe sur un elfe des bois. Ah, mais moi je suis en train Moi je vais chercher. Je suis en train de casser des arbres. Récupère des framboises également. Pour récupérer du bois. En soi, au début, c'est Farming Simulator. Hein. Ouais. Bon, c'est moi ou les bois sont invincibles au début. Il en a vraiment le PV au début. Ah, parce que là, c'est là, je tape le bois. Là, c'est ah, bah voilà. Enfin, ouais. Oula, ah, oui, c'est vrai. Il y a les il faut parler au corbeau. Être corbeau, bravo. Village, toi aussi. Pendant ce temps-là, Draken tape du bois. Les copains, que font les copains? Ils sont en train de martyriser un gobelin là. J'en ai un sur. Il allait nous tuer. Bah attends, j'en ai deux là, je vous en ramène deux les mecs. Ah mais quelqu'un a déjà fait une table, hein. Je pensais que c'était le corbeau qui était là. Alors non, oui, ça c'est ma table, que quand j'ai testé, c'est moi. Ah c'est toi, je croyais que c'était. Oui, non. On pensait que c'était dans le jeu. Non, c'est moi qui, quand j'ai testé, j'ai oublié de l'enlever. Donc c'est ma table de mon premier perso, vous inquiétez pas. Tout ceci est normal. De souvenir, pour l'enlever, il faut une table et un truc. Il faut que tu fasses une table et clic droit.
Ouais, on a tué. Alors attends, du coup il faut construire des trucs maintenant. Activer le PVP, non, peut-être pas. Non. non. Mauvaise idée. Il faut des conseils pas, si je crois que je suis dans le jeu. Ça risque de déraper à un moment donné. Je sais pas si je tape du bois ou du caillou. Oh, c'est presque la même chose. C'était du bois. C'est moi ou... En fait, les arbres sont beaucoup plus de vie que quand on est à 4 que quand on est tout seul. Alors, c'est pas que le... C'est aussi les mobs, hein. Ah oui, ouais, c'est comme dans Borderlands. En fait, il y a un scaling en fonction du nombre de joueurs à proximité. Ah. Ok, alors je crée un bâton. Alors ça, c'est bizarre. Bah oui, parce que je ferme du bois, monsieur. Ce serait pas mal, c'est de repérer une source d'eau, déjà. Ouais. Et pour survie, ça peut être pas mal. Il y a un immense lac à l'est. Il y a un gobelin, il y a un bourdon. À droite. Reviens, à mort. Tout à fait, Jack. Je confonds ma droite et ma gauche. Oula. Ah, j'ai récupéré une pierre. Oula, le jeu, oula. Je passe de 40 à 20 FPS juste parce que je ramasse une pierre. Ramassage auto-désactivé, non. Non, je veux pas m'asseoir. Qu'est-ce qu'il faut perdre le problème de raccourci. Ah oui, j'ai eu le cas aussi, moi. J'ai dû refaire deux fois mes raccourcis. Sinon, ça passait pas. Ah oui, c'est vrai. Ah non, mais je me suis déshabillé, là. Que fais-tu, Woodjoss? Que fais-tu? La table, je l'ai perdu. Ah, avec l'elfe et moi, j'ai un nouveau copain. Alors, on va chercher du silex. Ouais, je vais chercher du silex aussi, parce que là, le du silex, du silex. Et vous avez enlevé la table? Non, non. Tu vas droit dessus, là, continue tout droit. Fait JJ qui voit rien. JJ qui. Mais moi je joue sous Macintosh 87. En fait, Jake, quand il va s'approcher. T'as la version avancée, hein. Quand il va s'avancer sur la table, ça va faire un gros pixel marron. Oh, les Nyx, hein. Je les aime bien, les Nyx, sont rigolos. J'ai un cerf. Ils sont kawaii. Reviens ici. Il est en train de grogner derrière moi, là, il essaie de chaud. Reviens ici. Hop, une pierre. On a déjà du minerai à taper. Ah non, j'ai cassé mon bâton. Ah non, parce... Ah, les Nyx, ils t'empoisonnent? Non. Bah tiens, t'es il est mort, le Nyx. Et paf. Il a fait des chocades. Chips. Alors, il me faut de la pierre. Il me fait chier un poisson à main nue. Voilà. Des silex. J'ai jamais réussi à faire ça. Ouais, tu vas dans l'eau et tu spammes le bouton E. C'est clairement ce que j'ai fait, hein. Voilà, hop. Par contre, je vais peut-être vraiment mourir, là. Cherche des framboises. Bon, pas santé. Non, elle m'a dranguée. On va peut-être faire une cabane à proximité du lac. À côté. Ouais. On va casser tous les arbres, faire un petit stock de tas de bois et puis. Ah, par contre, attends, il y avait un truc avec ces. Ah, mais je crois que je spoil. Non, mais t'inquiète, hein, vas-y. Ils sont dans à la fin. Ah, oui, ça. Oui. Tu te souviens de ça. En effet. Non, Drakan, viens, en fait, faut le savoir. J'arrive. Sinon, tu peux pas. J'ai pas assez d'endurance. Là où il y a les deux points rouges, il y a Imra et moi, on peut montrer un peu. Chai. Ouais, Joss, on va te le rappeler aussi. Ouais, mais en fait, il se noie, mon perso, c'est quoi ce bordel? Oui, tu peux pas nager longtemps. Tu peux pas nager dans le jeu. Ah. Alors, aller en eau trop profonde. Hein. Alors, cher camarade Viking Draken, oui, que vois-tu, ici nous avons, entre guillemets, un cercle de menhirs. Donc en gros, on est entouré de petits menhirs, là. Ouais. Dans ce cercle de menhirs, sous nos pieds, quelque part, se trouve un trésor. Et chaque fois que tu verras un truc comme ça, il y a de grandes chances qu'il y ait un trésor. Alors, qui dit trésor, c'est pas non plus le trésor du royaume. Hein. C'est quelques pièces, c'est un bijou, un peu de bois, voilà. Oui, mais sous nos pieds, en se faisant plus tard, voilà, on voit un truc comme ça, faut penser à creuser.
Ok. Il me faut de la pierre, messieurs. On va te jeter la pierre, Claire. J'aimerais bien... Mais comment tu veux faire de la pierre là maintenant? On est en train de couper du bois et tout. Bah non, mais justement, bah oui, mais vous coupez du bois avec une hache. J'aimerais bien avoir une pierre pour pouvoir me crafter une hache. Ah, attends. Au niveau de l'eau, il y a une cabane en paille, il y avait un coffre dedans. J'arrive. Je l'ai pas. Attends. Ah, t'es souris. Bless you. Ah, bah c'était bon. Pardon. Tes amours. C'est bon, j'ai trouvé de la pierre. Alors. Ah oui, c'est vrai que la pierre, on peut la ramasser tout court et pas que la taper. Oui, bah oui, justement. Hop, je ramasse plein de silex. Bonjour. Ah bah, t'as trouvé la petite maison en paille. Le coffre. Ça fait beaucoup quand même. On va pouvoir le récupérer. Alors, je remets un établi au bord de l'eau. Tout est chargé. Je regarde mes compétences. Dans le coffre, j'ai trouvé des pièces et des flèches. D'accord. Non, il y a des gobelins là. Attends. Alors, une hache en pierre. Voilà. Maintenant, on va pouvoir s'amuser. On va faire du mobilier des coffres là, ça commence à devenir pas mal. Trop loin. Comment je peux être trop loin de la table? Je suis dessus. Là, le seul moyen pour le moment de régène, c'est les framboises. Je comprends pas, je peux rien crafter, j'ai rien qui apparaît nulle part. Si tu... Faut que tu équipes ton marteau, faut que tu crées le marteau que tu l'équipes. Tu veux rien crafter dans les trucs de base déjà? Je sais même plus comment on crafte le marteau parce que j'ai rien. Tu fais shift et en haut à droite t'as ton nom de perso et après tu changes les onglets tout en haut. Il me rate derrière toi. Ah. Un marteau en bas. Y'a une mouette! Ouais, la mouette, ça va plus tard, ça va être très très important pour nous faire faire des flèches. Attends, y'a un cerf, on va défoncer le cerf. Reviens ici. Faites gaffe aux sangliers aussi. Oui, je suis mort une fois moi avec les sangliers. On ne sait même plus comment on répare les outils. Il y a d'ailleurs un onglet là. Non. Non, ça c'est pour améliorer. Petite sauvegarde du jeu. Ah, pour réparer, en fait, une fois que t'es sur la table et que t'as tout l'arbre de craft, t'as le marteau en haut, t'as juste à cliquer dessus normalement. Ouais, je vois en haut à gauche. Là, on voit. Attention, Timber! Oh, punaise. Oh. Il m'énerve, lui. Je peux pas vous aider à taper, j'ai fait 5 points de vie. Attends, j'ai des champignons. Je suis pas mieux. Lesquels, Draken? Fais attention à ce que tu donnes. Champignons, consommables, nourriture. Ah, c'est pas une mycose, c'est bonjour. Tiens. Merci. Comme je suis full life. Non, moi, je suis pas. Fais double clic. Oh bah, y'a un sanglier qui est pop à côté de moi. Je remonte pendant deux. Ah, mais y'a une maison juste à côté, y'a une ébauche de maison. Mais c'est White qui a fait ça? Non, c'est un truc naturel ça. Ouais, les bouches de maison, moi c'est pas bon. Moi j'ai juste fait la table qu'il y avait là-bas. Bon, je comprends vraiment. Ah. T'arrives pas à crafter quand tu fais shift? Ah ouais. Ouais, non, j'ai ouvert toutes les fenêtres de menu qui existent et il y a rien. Et dans, quand tu fais shift et tu vas sur le deuxième onglet. Moi c'est pas shift. C'est tabulation. Bah, c'est ouais, enfin tabulation, oui, pas shift, oui, tabulation. Et sur tabulation. La fabrication, c'est vide. Il était proche d'un établi. Non, il peut même pas faire les trucs de base en fait. Bah essaye de te déco-reco peut-être. Bah ouais. Ça me semblait bizarre justement que je pouvais rien faire, mais. C'est vrai que là comme ça, hors établi,
Voilà. Même pas faire des. Attends, quoi que. Ah si, normalement tu fais ouais, table de fabrication, moi je peux faire bâton, marteau, torche et hache en pierre. Quand je fais table, j'ai rien du tout, et quand je vais dans la table, j'ai rien du tout. J'ai liste vide. Ah oui, donc ouais, des coups recoupes. Timber! Sur la table! Waouh. C'est un truc à mourir, ça. Oh non, ça va aller dans l'eau. Non! Je préfère faire des tablis, donc. Il manque un caillou. Loin, non! Reviens! Je vais tenter une dans simple déconnexion. Non! Non, parce qu'il faut qu'on nage! Oui, mais. Voilà, vas-y. Je suis contre quoi, moi. Attends, je vais attendre que mon endurance se régène. Voilà. Merci. Alors attendez, disons, je suis loin d'établi, j'ai envie de faire un établi. Je fais tab. Normalement, tu dois faire tabulette, tu dois avoir un marteau pour faire l'établi. Ah, c'est ça, j'ai besoin d'un marteau. Comment on fait un marteau? Tu fais tab. Et tu vas dans fabriquer. Et dans fabriquer, tu peux. Ah oui, bah de toute façon, je vois effectivement l'affichage que tu as sur ton stream là. Et ouais. Bah, j'ai tout vide, moi. C'est vraiment tout vide. Voilà. Les houes, c'est pour faire des trucs de fermier, je crois. Ouais. Hop. Et du coup, comment on fait pour réparer déjà? Pour réparer, tu ouvres après l'établi et t'as un petit losange marteau en gauche. Et bah alors c'est chiant. Ah d'accord, ah oui, il faut cliquer plusieurs fois. Okay. Je vais essayer d'améliorer ma hache en pierre. Qu'est-ce que tu peux pas me déconnecter non plus. Tu peux pas te déco? Si tu fais échappe, ça marche pas? Bah en fait là le jeu a freeze. Ah oui. Alors cet outil permet de travailler à terre, ouais, bon. Alors, du coup, c'est quoi la hache en silex qui est mieux que le. Ah, il y a. On peut se faire tuer par des abeilles là où je suis si vous voulez. T'es parti loin. Mais ça veut dire qu'on va pouvoir faire de miel. Attention, Timber. Déjà ? Ouais. Terrible. Vite sur son loot ! Let's go ! Moi j'ai plein de bois. Pour aucun craft, ma liste de fabrication est vide. Ah, t'as bien lancé le jeu en modded ? Ouais, ouais. Je vais aller voir si j'ai pas raté un truc au spawn, y'a peut-être un truc à activer que j'ai. La dernière fois ça avait marché ou t'avais pas testé ? On a mis j'ai en pas place. Testé. Au pire, faut que tu réinstalles tout comme Jack avait dû faire. Ouais. Tout désinstaller, supprimer proprement et réinstaller. Attention, Willem. Attention, Willem. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Faut que j'en alors, Draken, quand tu meurs, ça te met un crâne sur la où t'es mort. Oui, je sais, je l'ai, oui, quand j'ai testé. Je suis mort trois fois. Une fois que tu récupères ton loot, tu penses à ouvrir la map et enlever ton icône de crâne. Ah, ah ça je savais pas ça. Allez, régène-toi. Bon, on arrête quand on a combien de bois? Oh, on n'a jamais assez du bois en vrai. Hein. Ouais. Il faut juste assez d'espace pour faire une vraie maison. Moi je fais un peu de chasse là, histoire de pouvoir faire à manger. J'ai un truc de viande, je crois. Je me suis tué un cerf tout à l'heure. Ah, oh, oui, t'inquiète pas, il m'attaque pas, je l'ai tapé. Alors, est-ce que je peux faire le marteau ici? Paf! Bravo. On peut casser la maison? On peut casser la. Oui, celle-là, oui. Donc on s'installe pas loin de l'établi, c'est ça? Oh.
Ou on peut en vrai, hein, mais ça peut être pas mal, près de l'eau en tout cas. Hop. Faire des plans, j'ai peur pour faire des plans. J'ai envie de faire des plans. C'est tout, ça donne que dalle quand tu casses les maisons. Tu sais, c'est la nuit. Ouais, là, faut regarder. Il va faire tout noir. Ça va être tout noir. Ça va être tout. T'as vu, j'ai pris un cosplay en plus. J'avoue. Ça va être tout noir. Je saute. Ça va monter. Alors attends, est-ce que Draken, toi, tu peux faire des planches ou des trucs comme ça? Alors, je peux faire 20 flèches en bois. Par contre, les planches, on les fait comment? Il faut le marteau, je crois, non? Il faut le marteau, être près de l'établi. Marteau, là, il me prend de bois, je m'étonne de pas pouvoir faire des planches. J'ai l'établi, mais j'ai pas le marteau, et il me faut une. Ouais, il me faut un de pierre. Une. Bah, une seule. Il m'en faut qu'un. Et ça y est. Merci. Alors attendez. Le marteau. Et tout là-bas, le mage. J'ai perdu mon marteau. Donc, le marteau. J'ai le marteau. Là. Je répare l'établi. Mais du coup. Ah oui, d'accord, ouais, en fait, t'es obligé d'avoir le marteau pour pouvoir débloquer le reste. Ah bah non, en fait, t'es obligé d'avoir le marteau obligatoirement. Oh punaise, j'ai compris. En fait, il faut le marteau et faire. Enfin, moi, c'est le bouton H. Oui, il faut équiper le marteau, oui, en effet. Alors attends. C'est bon, je peux jouer. Alors attends, qu'est-ce qu'il me faut? Feu de camp. Oh, mais attends, oh, mais feu de camp. Il manque quelque chose, il manque de la pierre. Fabrication. Alors, je peux faire un poste de cuisson. Construction. Je peux faire un plancher. Ou des meubles, si vous voulez. Je peux faire des coffres, si vous voulez. Là, je fais juste des murs pour nous protéger. Ouais, après ça, des murs, c'est pas mal. Je peux faire des tas de bois. Ouais, l'état de bois, c'est pas mal. C'est bon, j'ai fait trois tas de bois. Et du coup, après, pour les tas de bois, il faut juste que vous tapez dedans pour les récupérer, c'est ça? Ouais. Ouais. Ok. Les démonter avec le marteau. Ok, ok. J'ai des flèches en bois, j'en fais. Voilà. D'accord. Livraison de bois à domicile. Oui, ça. Quelqu'un a un cercle assez de pierre pour un cercle de pierre? Non, j'ai pas du tout de pierre. Hein. J'ai toujours pas pu faire la pierre. Attention, une voix. Oula, c'était chaud. Peu de reste. Là, on parle quand même au corbeau, comme ça valide la quête. Hein. Pensez à faire des lits. Le lit, ça vous permet de respawn dans le lit. En fait, j'ai des pieds dans l'eau. Après, pas trop de trucs non plus dans la maison. Enfin, non, mais le lit, là, c'est le minimum vital. C'est un lit, c'est le feu, c'est Koh-Lanta, quoi. Alors, tu t'en sors, Wed? Alors que je réinstalle le jeu. Merde. As-tu une bonne connexion? Ouais. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il va falloir que je surveille bien tout ce que je peux m'en dossier et que je m'installe. Ah bon? Oula, j'ai fait une réaction en chaîne. Ouais, j'ai vu le 2. j'ai entendu trois trucs tomber, j'ai fait ah, masse. Du coup, j'ai le droit de dire Giga Timber.
Level de coupage de bois, level 15. Aïe 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 aïe. Je me suis pris mon propre ton. J'étais level 15 pour couper le bois. Et j'ai perdu 25 points de vie parce que je me suis pris mon propre ton qui a roulé sur moi. Oupsi. Compliqué. Du coup, maintenant il faut de la bouffe. J'ai de la viande de cerf, une peau de cerf. On va mettre les pita brochettes là-dessus. Attention. Ah bah, je suis mort. Mon propre arbre m'a écrasé. Toutes mes félicitations. Bon, allez, je respawn. Je crois qu'on perd la moitié des niveaux quand on respawn, non? Y a pas un truc de on perd des levels? Ouais, si, c'est ça. Parce que coupage de bois, j'étais level 15, je suis passé level 14. Je veux récupérer mon stuff. Que la lumière soit. Mais en fait, il y a du bois partout. Alors, faut que j'enlève mon coin. Oui. Imra, il a fait le feu. Ça va pas éliminer au prochain conseil. Ouf, ouais, je l'ai fait juste pour ça. Hein. C'est que par pur intérêt personnel, hein, bien évidemment. Je vais chercher des bigorneaux. Alors, qu'est-ce qu'il veut le. On lit pas ce qu'il veut. Livre, qu'il y a un toit. C'est ce que j'essaye de faire. On va revenir à la maison. Ça va être en mode tour de pise. Comment on fait pour enlever le crâne? Ah, c'est bon. C'est bon, j'ai trouvé. Comment on fait? Tu vas dans la map, tu cliques sur l'icône du crâne et tu fais clic droit. Ouais, tiens, il y a encore le tas de bois là. Oui, j'y suis. Il bouge. Il fait froid. Cuire l'aliment. Ah oui, du coup. On veut surveiller la viande un peu brûlée. Hein. Ouais. Et on fait comment pour la récupérer? Oh, petit quoi, sera bon. Hein. Mais ouais, comme là j'ai juste cuit un aliment, il dit juste qu'il n'y a pas de place. Ah ouais, mais oui, mais t'as mis le feu sur de l'eau, Ivra. Non, mais ça fonctionne, non? Oui, mais c'est pour ça qu'il s'éteint à chaque fois. Je pense pas, il me semble qu'il n'y a pas d'influence. Mais là il fonctionne le feu, je pense que c'est plus parce que c'est ouvert au vent, hein. Il y a le vent qui rentre droit dessus, je pense que c'est pour ça. Alors... Vous avez déjà rempli les coffres, quoi. Ah, pas le temps. Hein. Bon, je vais aller chasser. Voilà, de la résine. J'ai ça, des plumes. Silex. Ah, d'accord, il faut juste faire un. Non, parce que là, en fait, avec la marée, le feu s'éteint, en fait. Il s'éteint vraiment? Bah oui, il s'éteint parce qu'il y a la marée. Du coup, il voit avec la marée qui monte. C'est sûr que c'est la marée et pas le vent. Ah bah, regarde. Oui, si, ouais, il a raison. Regarde, pour moi, le feu, il est sous l'eau. Hein. Bah, mets-le là où je suis. Normalement, l'eau, elle atteint pas. Attends.
Comment on fait? Comment on fait pour le déplacer? On peut le ramasser avec le marteau. Ouais, mais voilà. Appuie sur P pour tirer. Ouais, mais attends, parce que là, le marteau, il me dit, il veut faire un tas de bois. Mais non, je veux pas faire un tas de bois. Retirer. Voilà. Putain, c'est ça? Oui. Merde, je suis en train de brûler! Va dans l'eau! Ah, c'est bon. Ah non, là, j'ai pas. Ah non, c'est pas le feu. Ah oui. Hop. Et du coup, je dois recréer le feu. Donc le feu, l'eau, elle est là. Je vais créer le feu. Ça peut cramer les herbes ou pas? Non. On va mettre là. Il me semble pas qu'on ait vécu un incendie. Sur... Non. Voilà. Je vais refaire un deuxième coffre. Maintenant ça fonctionne. Voilà. Voilà. Là ça fonctionne. Ensuite. Comment on fait pour l'enlever ? Draken ? Attends. Oui. Mets-toi près du lit. Ouais, mais j'essaie. En fait, j'essaye. Voilà, d'enlever le truc du menu. Tu peux du lit. Ah, là. Appuie sur E. Attends, faut que j'enlève le. Voilà. Réclamer. Voilà. Si tu meurs, tu reviens ici. Ah, ok. J'ai pas d'aliments. Par contre, j'ai. Attends, mais du coup, j'aimerais bien manger. Voilà. Ça, ce sera le coffre de la pouffe. Ah mais du coup mince, je l'ai mal mis le feu. Je vais mourir. En fait le feu je l'ai mis. Faudrait décaler l'entrée un peu Jack. Tu peux enlever la dernière. Ouais tu vois genre. Voilà. C'est un habitat provisoire là. Ah oui c'est clairement oui, attends, ça. Pas trop. Ouais. Si tu veux. Je pense. Stop, y a les ouais, voilà, c'est bon, c'est tout, ouais c'est tout. Comme ça au moins c'est tu vois, au moins on peut passer. On peut faire le tour par les lits parce que sinon avec le feu, sinon il se prend la flotte et tout. Okay. La table de craft. On revient dans 2 minutes. Vas-y. On peut pas l'améliorer normalement. Hache en pierre, il faut de la pierre, il faut du silex. Allez, récupère le bois. Ah, il y a un système de poids en plus. Ah oui, nos lits sont immergés en fait avec la marée. Trop bien. J'ai à le regarder, je fais ah mince. Hop. Okay. Coup attention à la sortie, il y a le feu qui brûle. Attention. Ne vous brûlez pas. J'essaie d'aller récupérer... Comment on peut faire une pioche ou pas dans le jeu On pourra, pas tout de suite, je crois qu'il faut mettre l'établi niveau 2. Ah, ok. Et du coup, je vais essayer d'aller chercher de la pierre... et du silex. Yes. Des framboises. Ouais, la musique elle est cool. Ouais. J'ai plein de silex, c'est cool. Le silex très précieux, hein, parce que quand on va vouloir faire des flèches, hein, on ouais, l'utilise vraiment ouais. Beaucoup. Ça, j'essaie de récupérer le plus possible en faisant le long de la côte.
Est-ce qu'on a des nouvelles de Wedgios? Je ne sais pas, Wedgios, tu es toujours là? Wedgios, es-tu parmi nous? Est-ce que tu nous entends malgré ta bonne connexion? Il doit peut-être redémarrer. Non, c'est bon, je suis en cours d'installation. Ah. Il doit réinstaller. Là, je suis en train de réinstaller tous les modes Anna. Moi j'ai dû réinstaller une fois, Imra je crois que t'as dû réinstaller une fois aussi. Ouais. Bah le truc c'est que moi en fait le jeu était déjà désinstallé. Et pour le réinstaller j'avais déjà galéré et là je pense qu'il n'y aura pas de problème. Draken toi en un coup ça a été ou t'as dû réinstaller aussi? En un coup ça a été fait, j'ai suivi un très bon tuto. Ah pour merci Imra. Non après, en un coup. J'ai installé le jeu, j'ai installé le logiciel là et ça s'est fait tout seul. Et le truc c'est que nous on avait une ancienne version malade parce qu'on y avait déjà joué, ça a joué aussi. Mmh. Oui. Non, je vais aller plus là. Moi je me balade. Et donc? Je suis en train de chercher du silex et des pierres sur le port de la mer. C'est ce que je veux dire, ouais, souvent le silex sur la côte. Ouais, bah j'essaie de chercher aussi des pierres en même temps. Hop. Oh, il y a tellement de sangliers là. Comme ça, on pourra choper. On pourrait faire manger pendant une semaine avec tous les sangliers. Y a pas un. L'ennemi, il est où? On le voit pas normalement sur la carte? De quoi tu parles? Le cerf là qu'on doit choper, le premier boss. Ah, alors. Il y a marqué 8 Kir sur la map quelque part. Et ça, il me semble que c'est l'endroit où on peut invoquer le premier gros boss, c'est ça il m'en... Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais pour l'invoquer, on a besoin de cette chose. Faut buter plein de cerfs et mettre des cornes de cerf, je crois qu'il en faut 20 de mémoire. Ouais. Mais là pour le moment on n'a pas le niveau. Oui, c'était. T'inquiète pas, on va pas se faire un speedrun. Oh, un descendu. Ah bah attends, j'ai une pierre énorme à côté de moi là. Pierre unique. Celui sauvage est impitoyable. Cherchez le sanglier qui rôde dans les lieux. Ah. Donc je suis en train de me battre contre des sangliers. Et je crois que je suis dans une tanière, enfin près d'un boss. On va bien se passer. Je vais vous ramener le boss, les mecs. Par la suite, on va avoir de nouvelles zones. Et dans ces zones, on va pouvoir avoir un item qui nous indique où est le boss suivant. Ah, ok. On peut ramasser des pissenlits. Alors, je voudrais me faire une feu d'éclat. Parce que là où je suis, il y a plein de cerfs. Et des sangliers. Viens ici. C'est marrant, les cerfs ils vont dans l'eau. Ah bah y'a un sanglier. Je vous rappelle que si vous croisez une biche, pensez à lui envoyer une Twingo sur la figure. Je n'ai pas la ref. Ah, ça remonte à... C'est mon accident en 2015. Ah! Depuis, j'ai une haine contre les biches et je ne monte plus dans les Twingo. Ah! C'est fâcheux! Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui? Un bourgeon nègre. Arrête-toi, je t'ai défoncé ton copain, toi je t'ai défoncé aussi. Voilà. J'aime vraiment beaucoup l'ambiance de la ligne, enfin, la musique. C'est trop bien. Ouais. Ouais, il y a plein de framboises. Ouais, du coup, je reviens au camp. J'ai chopé des pierres en même temps. Petite info sur le silex, autant la pierre, quand tu la pètes ou quand tu ramasses, ça revient pas forcément. Le silex repop
Voilà. Ah, ah, c'est cool ça. Ah, mais par contre, je vous ramène plein de framboises. Miam, miam, miam. Des framboises, des pissenlits. Il faudra vous battre pour savoir qui va manger quoi. On va pouvoir cuisiner et faire des recettes. Plein de pierres, il y a plein de pierres. C'est du lait. Un sanglier. Paf. Allez, donne-moi de la viande. Et du cuir. Aïe. Mais je t'ai pas embêté toi, pourquoi tu m'attaques? Désolé hein. Légitime défense. Ah la vache, on est juste à côté d'une... C'est cool, on est à côté d'une montagne. Alors oui, plus tard, la montagne, plus tard. Vraiment plus tard. Mais non, mais il y a des pierres. Oui, non mais c'est charmant la montagne, mais oui. Oui, c'est beau. Oui, oui. C'est chaleureux, ça manque aussi. Hein. Je sais pas quand Ah oui, ça oui, c'est chaleureux, oui. Tu cours, ça te réchauffe. Hein. Ouais, je sais pas, quand, quand je cours, ça fait clac, 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 clac. La montagne, vraiment... Éloigne-toi-en, parce que on parle vraiment de montagne et de la neige, on est d'accord? Non, non, la montagne de montagne. Ah non, non, ça c'est une colline, ça va. Parce que la montagne avec la neige, en vrai sur la map on voit qu'il y en a une pas très très loin, ça sera la troisième... Ouais, je crois que c'est la troisième. Ouais. Troisième zone, ouais, troisième ou quatrième. Ouais, bon, c'est... Et c'est la pire. Revenu sur le serveur. Et aucun craint. T'es sûr que c'est pas parce qu'il manque un item sur toi ou quelque chose? Bah je sais pas. Non, non, il peut... Normalement, normalement il peut au moins craft les items de base. T'as le couteau, mon dieu. Le marteau est équipé, mais pas juste vraiment dans la barre. Vraiment, il est sélectionné en jaune. Non, mais c'est vide. C'est, il peut pas faire de bâton, il peut pas... Ah mince Ah, quand on est trop encombré, on... Oui. Y'a quelqu'un qui peut venir le chercher? Et où sur la colline. Parce que là, sur le live de Draken, on voit qu'il peut faire une hache en terre, un bâton, un en arrière, Duke. Mais je peux pas là, Draken, je vais mourir. Oh. Je me régène et j'arrive. Parce que j'ai, en fait, j'ai 312 de kilos, j'ai 66 de pierre, 23 de silex et 105 de bois. J'arrive. Le bois, à la limite, tu fais des tas. Et tu reviens le chercher plus tard. Oh, ouais, mais si je... Ouais, non, même en... Ouais, je peux le voir, je vais jeter le bois. Ah oui, en fait, quand t'es encombré, tu ne peux pas... D'accord. En fait, c'est bon, j'ai trouvé la technique. Je jette le bois. Je régène. Je jette le bois, je régène. On a plus qu'un pic, on a mis deux pics à viande tout à l'heure. Oui, non, oui, ah, j'ai oublié, t'en avais mis deux? Je pensais qu'il y en avait qu'un, je n'en ai reconçu qu'un. Bah, c'est pas grave. En fait, mon jeu n'a aucun problème. C'est quoi le problème? Sérieusement? Bah, il fallait ramasser un bout de bois pour que je puisse avoir des crafts. Ah. Tout simplement. Oh, t'as fait? T'as trébuché? Oui. Ah! What? C'est... Oh, non, c'est le feu en fait. Oui, bah oui, mais le feu, si vous voulez, déplacez-le. Hein. On voit mon cadavre flotter, on dirait le. Non, 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 je dis pas ça. Peggy 18. Oupsi! Très très bon nageur, Skipper. Ah oui, c'est sur la map qu'il faut enlever. Donc, plus droit, plus. Alors, Draken, je vais dans ta direction. C'est ma direction! Oh punaise, j'ai la ref. J'ai pété les plombs, sans demander ni baisser les bras. Et après, j'ai plus c'est une bonne chose d'avoir la ref, je ne sais pas.
sais pas. Quand même, t'as pas la ref de « c'est ma direction » ? Si. C'est pas parce qu'on a la ref que c'est une bonne chose, hein. Oh, quand même... What you be ? C'était magnifique. Regarde, Jack, si tu peux prendre les 100 de bois là, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Merci. Du coup, moi, je vais aller... Il y a un gobelin, Duc. Ouais, mais je l'aime pas. C'est pas mon copain. Voilà. Désolé. Récupérons la résine. Et du coup, je vais aller remplir les coffres. Alors... Oui. Va falloir qu'on fasse assez vite quand même le bio et le support de tannage pour améliorer notre établi pour faire des vrais trucs. Oui. Alors je crois que j'ai assez pour faire le bio avec tout ce que je ramène. Il faut 10 de silex, donc ah, c'est assez tranquille. C'est bon, on a le bio. Il faut peut-être réparer ça. Alors, je mets tout dans les coffres à gauche. Ah bah vous avez déjà mis des trucs. Alors, ça, t'es à poil, Draken. C'est bon. Et on me dit rien. Bah t'es censé voir ton personnage aussi, hein. Ouais, mais je fais pas attention. Alors, on a 37 de silex. Ah mon dieu, je peux jouer. Il faut que j'aille réparer. Elle est où la table de coffre ? En pierre, c'est pas avec l'établi. Si. Là. Ah, mais elle est. Oui, non, d'accord, elle s'est mise en haut. J'ai rien dit. Qu'est-ce qu'il y a, ouais. Mais oui. J'avais trouvé une jolie pierre runique avec des écritures dessus, elle était entourée de 15 de sanglier. 15 ? Non, j'exagère. Je crois qu'il y a le corbeau qui me harcèle. Est-ce qu'on peut upgrader nos items, genre la hache en bois et tout le bordel ou quoi? Enfin, la hache en pierre. Des trucs, j'ai tout pris là. Mais au lieu de faire d'upgrade une hache en bois, fais une hache en pierre. Oui, enfin, pas oui, je veux dire, est-ce qu'on pouvait upgrade la hache en pierre en fait? Il n'y a pas de hache en bois de toute façon. Très vite, on va avoir des items au-dessus, je pense. Vous pouvez utiliser l'établi, l'améliorer. Oui. Hop. Par contre, on va faire des tas. Je vais cuire de la bouffe. Oh ! Il y avait un poisson par terre. D'accord. J'ai trouvé un rondel, il voulait apprendre à marcher. J'ai trouvé un macro comme ça. Il a été lu, je crois. Non, c'est le castor. Ah, je peux enfin couper du vrai bois. Je suis en train de cramer. Je crame plus. J'améliore ma compétence. La pierre en chemin. Bah si, en fait, on peut nager. Oui, mais pas. Pardon ! T'as pas beaucoup d'endurance. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est le premier tronc que je coupe. Le premier, s'il vous plaît. Quoi, tu veux dire que t'es mort du tronc ? Oui. Bah, en fait, il a commencé à tomber du bon côté, donc à l'opposé de moi. Puis d'un coup, il s'est dit : non, je vais tomber sur lui. Du coup, est-ce que je peux t'appeler Jacques du tronc ? Attends, elle est où la bouffe ? Elle a cramé la bouffe ? C'est tout pour moi, c'était le sketch du soir. Ouais, j'ai mis plein de trucs dehors. Et du coup ? Ah oui, c'est ça, j'ai fait cramer de la bouffe en fait.
Alors maintenant, il nous faut du cuir et de la peau de serre. Peau de serre, on en a 8. Hop. J'ai 3 de charbon, s'il faut. J'ai mis 2 trucs de bouffe hein, pour faire cuire à manger. Pantalon. Ah oh oui, il nous faut vraiment du cuir pour invoquer la bête. Il est où? Il est où, Joe? Joe, il est parti. Tatawin. Je suis au spawn du premier boss. Je voulais voir un peu ce qu'il y avait. Non mais de toute façon, je peux rien faire. Hein. Oh, bah, ça a l'air d'être la nuit, dis donc. Bon, mes premiers amis. Bon. Au plus de bois. C'est ton cours, c'est ton cours. Il y a plein de bois dehors, il y a 2, 4, il y a 6 tas de bois dehors déjà. Non, non, je me parle à moi-même, je me balade. Je vais te péter un câble. Moi, je coupe les petits arbustes. On peut pas encore couper les boulots. Ah, des squelettes! Ah, j'ai trouvé une grotte! Attention, parce que là, l'arbre que je coupe va tomber sur la maison. Ah. Non, c'est bon. J'ai trouvé un verger. Ah, une pierre unique avec 15 sangliers. Au pire, le squelette, je peux l'emmener sur les sangliers. Eh, les sangliers, regardez! Ça vous amène un copain squelettique. Bah, ouais, les sangliers, faudrait qu'on se les bute, hein. Il nous faut leur cuir. Et la viande. Mais surtout le cuir. Ah, ça fonctionne! Le squelette qui se fait. Sanglier. Ah, c'est... bah. Le squelette est mort. Oui. Peut-être quoi. Des os. Sauvegarde dans 30 secondes. Non, c'est pas ça que je veux. Non, je veux pas mourir. Tas de bois. M'asseoir dans la maison comme ça je suis caché. Ah oui d'accord, c'est un sanglier une étoile en fait. Ease. La résine c'est là dedans le coffre là. Regardez où suis-je. Ok, je suis ici. Il n'y a pas de silex. Alors quand je dors, je ne vois plus mon perso. Il me fait peur à chaque fois. Mais laisse-moi tranquille. Il va me suivre jusqu'au bout du monde. Il y a peut-être moyen que je vous ramène à un sanglier, une étoile.
si vous voulez vous faire place dessus. J'aime la viande. Le couteau en silex, c'est pour dépecer, je pense, non? Non, c'est une arme comme une autre. Ah, ok. T'as pas besoin d'outils, ça dépece en lootant. Ouais, ils explosent. Ouais, je pensais que c'est genre si tu le tues avec cette arme, peut-être que tu chopes plus de viande, mais non, ok. Il m'a lâché le sanglier. Sympa ça. Moi j'y reviens déjà au festin. Moi j'aimerais bien me faire un arc. Non, pour ça faut du cuir, hein. Donc faut tuer des bêtes. Bah justement en fait ce serait pour tuer justement pour tuer des... Bah Imra, si tu veux chasser les sangliers, sont juste à côté de la maison actuelle. Et au nord par contre, de l'autre côté. C'est Jake qui est à la maison. Jake qui fait. Ouais, moi je vais faire un massacre, Jake qui hein. fait Valérie Damido. Jake il en a marre de prendre feu. Mais comment tu fais pour prendre feu longtemps. Bah sur il le côté. Prend un bain dans le feu de camp, c'est le problème. Ça peut te rassurer dans notre dernière aventure, il s'enflammait tout le temps. Tout le temps. Oh ouais. Non, on n'a pas la maison qui prenait feu plusieurs fois. Non, c'était que lui en feu. Ah, je les ai retrouvés, Imra, ils sont là. Je reste là. Ok. Bon, je suis juste derrière. Ouais. Je vais mettre le pantalon au cas où. Je vais chercher des sangliers par là-bas. Je me suis fait une batte de baseball. Je crois que t'allais dire je me suis fait détruire. Non, ils m'ont pas vu. Petit. Lui, il m'a vu par contre. Ah non, il a vu Mara. On peut s'accroupir ou pas dans le jeu? Ah oui. Oui, on peut s'accroupir. Oui. Ah, c'est le même indicateur que dans. Autour de cette pierre, il y a plein de sangliers. De Skyrim. Ouais, je vois. Quand t'as un ingri qui arrive. Ouais, je le vois. Viens me battre! Reviens! Voir! Il y aurait manqué un coup. Yeah, elle est eu! Pauvre dinguerie! Je voulais pas mourir, je comprends pas. Hein. Ah, on peut améliorer la compétence de discrétion aussi. Oh putain, c'est bien ça. Bon, maintenant, tout. Bon, tu veux faire un festin? Oui. Allez, là, il y en a déjà 4. Tu les entends au loin, t'entends les sangliers gueuler. Je lance. C'est exceptionnel. Oh mon dieu. Je rappelle que je ne m'associe pas à ça, je ne consomme pas de viande. Bah là, dans le jeu, tu vas pas avoir le choix, mon ami. Non, je sais très bien, ça reste un jeu idéal. Bah là il me raille, il utilise sa grosse hache contre les sangliers et moi je leur fous des coups de batte de baseball. Pas mieux. On les a tous eu, je crois qu'il en reste plus. Oh, une deuxième maison. Ah non, c'était. Non, c'est une maison, oui, c'est une deuxième maison, c'était pas celle qu'on avait avant. Qu'est-ce que nous avons là dans la maison? Oh, d'accord. Il y a qu'à loin. Ouais, c'est une maison avec un nid d'abeilles. Ah, c'est celle-là où je me suis fait failli me faire aussi, c'est là où je suis mort au début. Pourquoi, t'as pas... Quoi, le... Pourquoi t'as pas cassé la maison? Parce que je suis mort. Mais les abeilles, oui, faut récupérer. Attention. Elle t'empoisonne les abeilles. Oui. Comme Christophe Maé. Je crois que t'as retrouvé un sanglier. Comment tu sais? Jour 5. Jour 5, année numéro 5.
devant un petit creux. D'accord. Plus petit. Ah oui, voilà, carrément, j'ai une maison avec annexe et tout. Mais non, mais je veux casser la maison, comme ça, ça casse le miel. Oui, j'avais compris, mais c'était pas là, en fait. Donc c'est là où j'avais ma ruche à moi. Est-ce que tu prends des dégâts ou pas? Oui, tu te fais empoisonner. Là où oui, je suis, non. Est-ce que tu as de quoi régène ou pas? Ouais, je suis encore en train de digérer de la viande de cerf pendant 40 secondes. Elles sont où, tes abeilles? Elles sont derrière, tout au fond. À gauche. Okay. C'est ça qu'en fait, je vais péter la maison, comme ça, normalement, ça va tomber. Tout à fait. Faut péter la charpente. Moi, je peux pas poser mon lit. Récupère, t'as, y a déjà un lit de non réclamé, si jamais. Bah, il n'y en a que 3, on est 4. J'ai mal compté. Mais il y a quand même un lit de non réclamé. Moi, c'est celui. Bon, j'ai fait le mien. Moi, c'est celui de gauche. C'est le mien. Bon, boss. Je suis à part vu qu'il n'y a pas de place. Non, mais on va les déplacer. C'est la première maison qui est vraiment. Sans réfléchir. En vrai, la maison, elle va durer une heure et. Ouais. On verra plus loin. Ah, vous avez un petit creux. Alors, dans le coffre. Des stocks et tout. On vide de la place. Là, en fait, c'est là que ça va être un peu embêtant. Merde, j'ai mangé la framboise, je voulais la mettre dans le coffre. Oh, c'est pas grave, Nathalie. C'est parce que. Ça repousse. C'est ce qui nous manquait, les framboises à la dana. S'éloigne. Non, c'était les myrtilles. Ah! Et ben voilà! Ouais. Yes. Est-ce que tu as une ruche, une abeille, quelque chose comme toi? Oui. Enfin, j'ai reine abeille. Ouais. Conserve-la. J'ai reine abeille et j'ai un de miel. Ouais. Bon, moi, je vais retrouver où était ma ruche à moi. Ah bah attends, ouais, du coup, vas-y, attends, j'arrive. Sa ruche à lui. Là où je me suis fait tuer. Ça s'approprie des ruches maintenant. Bah, c'était près de l'eau, non? C'était quelque part sur la côte. Mais c'est pas une maison comme ça, c'est un espèce de... Là, elle est là. Voilà, c'est une espèce de tourelle. Attends, j'arrive, comme ça on va la péter à deux. Je tue des Nyx. Et alors... Ah oui, les Nyx, c'est bon ça à manger aussi. C'est bon, je me suis fait empoisonner. Ouais, moi je vais juste avant d'en cuire. Faut pas les cuire, les trucs? Les Nyx? Si, faut les cuire. Je sais plus comment il fallait... Ouais, va loin, Jay, t'inquiète, je termine. Ah oui, c'est vrai quand même. T'es mort? Ah non, c'est bon. Ça s'est joué à rien du tout, mais c'est bon, je suis en vie, mais je peux plus taper. Ouais, t'inquiète. Il me manque encore. Comment ça tient là? Ah, c'est ça bon. Ça va tomber. J'allais dire. Voilà. Eh ben non, mais en dessous là. Ça va tomber. Patiente, regarde, ça a tombé tout seul. Non, fais pas. Non, pas l'arbre. T'inquiète, ça tombe tout seul. Ça va tomber quand même, Dieu que t'inquiète. Oui, mais pas sur moi. Raté. Y'a pas de place. On peut en mettre que deux aliments à la fois. Non, t'as 4. Non, j'en ai mis un 4. Un deuxième, normalement, c'est bon. Bah, ouais. Elle où l'anabeille? L'anabeille. Elle a disparu. Tu l'as pas chopé, t'es sûr? Bah non. Revérifie. Mais j'ai eu le bois qui est tombé, il y a pas de problème, mais dans le moment j'ai quoi? Il y a une ambre. Bah, c'est bon. Plume, voilà. C'est ça? Mon abeille. De là. Oui. Alors, du poisson cuit, ça et ça. Ouais, j'avais mis du poisson. Un sanglier!
Ça, c'est de la viande de cerf. Pas cramer les maisons. C'est plus simple. Le pyromane. C'est plus simple pour les détruire. Crame la maison, tu reviens, y a plus de forêt. Hey, coucou Napta. J'ai pas assez d'endurance pour monter sur la pierre. Ah bah, tu vois. Bon, attendez. Faut que j'aille manger parce que j'ai plus de bouffe. Ah, toujours avoir un petit stock sur soi quand c'est possible. Ouais, mais j'ai qui fait une succursale. Jake qui nous fait une succursale à côté. Non, mais je fais une maison un peu plus propre parce que là, clairement, oui. Alors, par contre, il y a la fumée qui est en train de s'agglutiner dans la maison et bientôt on va suffoquer. Mais il y a une grande ouverture. Je sais pas, moi je constate qu'il y a beaucoup de fumée. Voilà. C'est bon, il y a une fenêtre. Non, ça fonctionne que verticalement la fumée. Une cheminée quoi. Voilà, c'est une cheminée. Ouais, les lits vont plus marcher maintenant. Bah, déplacez-les, mettez-les dans l'autre cabane. Hop. Donc là. Ah non, c'est moi qui l'ai chopé, Jake, les abeilles. T'as eu les deux? Bah ouais, j'ai eu reine abeille et j'ai 3 de miel. Mais t'as eu 2 reines abeilles? Bah non, la dernière fois j'ai eu que une reine abeille et quand on l'a pété la deuxième fois, c'est moi qui ai eu la deuxième. Oui, c'est ce que je viens de dire, tu as bien donc deux reines abeilles. Oui, j'ai 2 reines abeilles, oui. Cool, ah. Parfait. Du coup, je peux faire une ruche. Combien il faut de trucs pour faire la ruche? Vous avez déjà trouvé des pièces? Oui, c'était le tout premier coffre, je l'ai dit. Tiens, il dit que j'ai débloqué... Ah non, pour la ruche, il faut augmenter, je suppose, la table de craft? Non, ça c'est avec le marteau, c'est un meuble. Ah! Ruche, je peux faire une ruche du coup? Oui, mais par sécurité, mets-la en hauteur, je te fais un balcon. Putain, c'est bon, regarde, je la mets sur la pierre, regarde. J'en fais une deuxième ou pas? Oh oui. Voilà, j'ai plus de reine abeille. Je teste ça dans l'eau. Voilà, regarde Jack, elles sont bien mes ruches. Ah mais elle est vide. Ah oui, d'accord. T'inquiète, dans 24 heures, il y aura du miel. Ah oui, d'accord, les abeilles sont heureuses, ok. On est pour le bien-être animal, hein. Hop, du coup, qu'est-ce que je peux encore craft avec... Après, j'aurais pu craft un radeau. Pas de suite. Ah oui, non, oui, d'accord. Je vois la proposition, je suis d'accord. Pourrait faire un bel animal de compagnie. Support de tannage. Oh putain, le nombre de cuir qu'il faut. Jack, t'es à poil. Mais non, je suis en short. Oui, mais justement, t'as plus le haut. Le truc avec la hache, ça sert à quoi? Le truc. La souche avec la hache qui est ici. C'est le bio. Ah oui, d'accord. Justement, ah oui, d'accord, le bio. Ok. Que j'avais pas compris. Il faut un coffre en plus. Ouais, ça c'est toujours problématique les rangements. Après tout ce qui est bois et pierre, on les met pas dans les coffres. Hein. Dès qu'on peut, on fait des tas dehors. Oui.
Sinon on va vraiment galérer en place. Oh là là, j'ai refait une lance. Ça y est, je vais pouvoir faire mon gameplay. Yeah. Alors, tas de bois. C'est rigolo. J'ai oublié qu'il faisait ça. Du coup, il me faut un peu, encore un peu de bois. Jack, viens voir dehors. J'arrive. Ah non. C'est tout rouge. C'est bon, c'est tout rouge. Ça va. Oui, t'as une lance, c'est bien. Tu vois pas comment je me déplace. On dirait que t'as une lance dans le derrière. Ouais, on dirait vraiment. Ou tu te mets en mode maître Jedi. Non, mais j'ai juste l'impression que t'as un cheval de bois, quoi. Tu fais tagada, tagada. Comme les fraises. Enfin, moi, ça me fait beaucoup rire. Je rigole. Voilà. Hop, combien j'ai de bois? 61. Il y a un symbole rouge bizarre qui réduit. Bah oui, c'est ton repos. Ah oui, c'est vrai. C'est juste que l'affichage est changé, donc... Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire, là? Ouais, tellement de choses à faire. Du cuir. Ouais, il faudrait farmer les bestiaux. Okay. Moi je porterai la chasse. Hein. Ouais, je pense faire pareil. Je suis en train de m'entraîner avec ma lance là, faut que je me souvienne comment je lance. Moi je up ma compétence de discrétion. On peut déjà faire une pioche ou pas? Attends, comment on fait une pioche déjà? Non, justement, je crois qu'il faut le truc de tanache. Pour d'accord. Augmenter l'établi. Ok. Alors, les bestiaux ils sont où? Partout. Oh là là, ça y est, je commence à faire du one shot. Trop bien. Et Jack, up ta compétence de discrétion. Attends, comment on fait ? C'est contrôle. Oui. Comme ça. Oublie. Bah, non, Oubliez pas que les coups critiques sont à 100% de chance si l'ennemi est déstabilisé. Oh, le gros arbre! Où ça? Le gros arbre. Là, ici, là. C'est un quoi, un boulot, un net? Celui qui est dans le ciel? Hein. Trop dur. Ah, il est trop dur. Il faut pas l'avoir celui-là. Attends, peut-être que si on fait casser un autre arbre dessus. Non. Celui-là, c'est avec une hache améliorée. Aïe! Une hache en du métal. Enfer! Aïe! Oh mon dieu, mais ils esquivent tout ce que je fais. En fait, trop fort. Hein. Youp la boum! Ah, je l'ai fait 32 dégâts. Oh là-bas, il y a un cerf, Jack, il y a des cerfs derrière. Ah, mais les cerfs ils courent. Les sangliers ils viennent. Ah non, tu vas en mode accroupi. Ah, il y a une pierre ici. Une pierre de l'or. On ne sait pas lire. Ils m'ont vu. Faut que je non, je veux pas m'asseoir. Faut que je up ma compétence de discrétion encore plus. Je suis 4 levels de discrétion. C'est une jolie plaine ici. Ça enlève la stam, la discrétion, en fait, gars. Ouais, mais tu es plus discret. Tu peux jouer à Metal Gear. Metal Gear. Une box en carton avec toi. Jake, il est passé à côté plein de buissons de framboises. J'en ai là sous les yeux des framboises. Là où je suis, j'en ai plein aussi. Avec sa qualité graphique, ça doit être compliqué de voir que c'est des framboises. Oui, en plus, déjà d'une. Des tomates. Et qu'est-ce que c'est ça?
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un énorme boss. Non, mais ça c'est chelou par contre. Je pense que là il y a un joli trésor à creuser pile ici. Mais attends-moi! Mais on peut pas creuser pour le moment. Mais oui, mais moi je up ma Bah si on peut. Attends, comment je vais pas mettre un feu, je vais mettre un point. Alors vous êtes bien arrivé dans le dernier, le plus anarchique des 10 mondes, Valheim, l'eau. Mais si la pierre unique, tu peux la lire, qu'est-ce que tu nous dis, Jake? Oui, oui, non, je veux dire que le lore est. Comment je fais pour placer un point sur la carte qui n'est pas un feu de camp ou une croix? Tu fais Shift et tu tapes le bouton du milieu. Ça fait un ping. Pas ça. Non, je vais vraiment mettre un point. Bah non, tu mets un ping. Ou tu mets. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Tu mets les points sur le côté là. Voilà. Aïe! Oui, ton point tu l'as pas mis, hein, Jake. Si, je l'ai mis. C'est juste qu'il faudra que ça se synchro pas en direct. Salut le sanglier. Au revoir le sanglier. Légolas, que voient vos yeux d'aigle? J'aurais dû partir au sud si personne part au sud. C'est pas grave. Jake, il pille des maisons. Y a rien de bon. Mais tu rentres chez les gens, tu leur en demandes même pas. Je suis pas sûr que quelqu'un vivait là, enfin là de suite maintenant. Alors si tu veux, Jack, on pourra se péter le bide à la framboise. J'en ai encore là. Par contre, ça va falloir que je mange. Oh, j'ai entendu un cerf. Oui, il est là-bas. On est à quel moment du jour ou de la nuit là? On n'a pas l'heure. Bon, on est encore. Ah, c'est vrai dans... que c'est ça qu'on avait dit, on a oublié. Ah oui. La durée de bouffe aussi, parce qu'elle dure vraiment pas longtemps. Je crois que c'est pas pris en compte. Ah, tu fais des coups critiques quand tu sors de... Tu les tapes en mode discrétion? Oui. Du coup, tuer en discrétion, c'est vraiment fort. Intéressant. Comme dans Skyrim. Oui. Ah, il y a un enclos ici. Il y a des trucs dans l'enclos? Une pierre du lore. Que nous dit le pierre du lore? Mais c'est, elle nous dit la même chose que l'autre tout à l'heure. Ouais, y a, des fois les pierres peuvent dire la même chose. Odin Iradot. Ah bah, attends, t'as vu ton âge. Bon, ça attaque l'âge d'Odin. Ça commence à être la nuit, je vais peut-être. Ouais, j'avais pas vu quand tu dézooms à fond la mini-map derrière, t'as le cosmos. On peut se balader dans le cosmos. Bah ouais, hein. Le but du jeu c'est de faire une fusée. C'est joli. Une fusée viking, hein. Incroyable. Une fusée en bois. Tout en bois et en pierre. Il y a beaucoup de travaux d'aérodynamisme pour que ça puisse voler quand même. Donc t'inquiète, on a du silex. Ah, tout va bien là. Ah oui, tu es là. Mais Jake il se balade, il fait que ça, il court partout. Non, je cherche des sangliers. Bah quand tu vois une pierre unique, il y a souvent des sangliers tout autour. Enfin si c'est une pierre qui concerne les sangliers. Oh, de la forêt noire, ça me rappelle des souvenirs. Mmh. Oh, j'ai également trouvé une forêt noire, ça doit être la même à mon avis. Ah non, on n'est pas dans la même. Enfin, centre. Ouais, moi j'arrive près, je pense, d'une zone montagneuse enneigée. Oh, une ruche. Ah, j'ai pas envie de voir un troll. J'avoue, justement, être des trolls. C'est trop cool. Graines de carottes. Ah, bien.
tout pile à l'entrée de la forêt noire. Oh, je pourrais me faire un potager là de nouveau. Si jamais j'ai déjà une houe, hein. Bon, bientôt level 10 en discrétion. Ah, le corbeau veut me parler dans la forêt noire. Oh, le nombre de mobs qui m'ont aggro. Demi-tour, c'est dans la forêt noire. Il y a le corbeau qui me dit de faire demi-tour dans la forêt. Oui, parce que je pense que niveau. Faites demi-tour, c'est possible. J'ai ma lance, hein, moi c'est bon. J'ai découvert la montagne. Et du coup, ouais, il dit pareil. J'ai fait la montagne et la forêt noire. Ouais. Ah, du coup, quand c'est la forêt. Oh, un sanglier. Faites gaffe, hein, par contre, parce que les mobs dans les autres zones sont plus forts. Hein. Ouais, non, ça va, là. Là, je suis revenu dans la zone normale. Oui, ils sont plus forts, je me tire. Ah, Dracon, il est au bord de la neige. Ouais. C'est quoi ça là-bas? Ah, j'ai trouvé des sangliers avec une pierre. Ah, bah, y'en a. Oh, j'ai des squelettes niveau 1 là. Une étoile. Bon, pas trop les tests, hein. Allez. C'est quoi ces sangliers de guerre? Vas-y Gérard. Gérard, on va le tuer. Prends toi. Hop. Regarde de loin par contre. De très loin. Ah non, je vais mourir. J'ai pas envie d'avoir ma première mort contre des pauvres sangliers. Ils essaient de me glitch. Putain, je n'ai tué qu'un. De toute façon, un coup et je meurs là. Tu peux le faire. Il est où le deuxième cerf? T'en prie, un sanglier qui vient de mourir. Non. T'as vu, il est presque mort. J'arrive pas à grimper sur un caillou. Là, il y a une maison, ça ne suffira pas. Non, ils doivent monter. Par là. Y'a pas un squelette qui pourrait m'aider là quand t'as vu? Un squelette sur moi justement. Oh, c'est quoi ça? Viande de cerf. Pourquoi y'a de la viande de cerf par terre? Oh, des framboises. Oh mon dieu. C'est quoi ça? Comment ça peut se rapprocher de la forêt noire, j'ai l'impression, par ici? Un peu hostile quand même. Ah mais c'est lui, il m'emmerde. Toi, t'es mort toi. J'ai un sanglier, une maison. C'est pas la maison qu'on avait vue tout à l'heure? Oh non, un chaman je crois. Oh. Putain, je sais pas. Ah j'ai vu du poison là-bas. Ah y'a Imra. Et rien fait, je me tire. Bah, le chaman, on va peut-être les laisser tranquille pour l'instant. Mais pourquoi tu tiens pas sur un caillou? Bordel! Salut, Imra! Ça va? Ça va et toi? Je viens de tuer mon dernier sanglier. Oh bordel. Ouais, j'ai pas mal de viande là. J'ai 9 viandes de sanglier. Et 4 viandes de cerf. Moi, je suis bien sur mon caillou, je suis en sécurité. Et 11 viandes de Nyx qui massacre. Je crois que je mange des framboises. Hein. Jusqu'à l'asphyxie. Bon, allez. Non, reviens. Ah, bien écouté. Bon, en termes d'exploration, c'est pas mal là, à nous quatre. Ouais. Oui, c'est du En vrai, là, si on a assez de cuir, on va pouvoir faire des vrais constructs. Hein. J'aimerais retrouver mes sangliers quand même. J'ai 12 points de vie, mais ça va aller. Ah, ah c'est moi, y'en a. J'ai oublié que la stam rechargeait si lentement. Est-ce que ça passe? Ouais, j'ai amélioré ma compétence de blocage. J'ai tué 3.
Ah mais du coup quand tu montes le menu pour voir tes compétences, ça te... Tu peux plus faire clic droit. C'est où ça déjà? C'est Shift et c'est le troisième onglet. Shift, Tab et le troisième onglet. Ok. Et... Mais non! Il me reste un point de vie! Large. En fait, trop fort. Mais c'est quoi ces sangliers de la mort? Deux points de vie. Par contre, c'est bien, c'est que la pouffe elle dure longtemps, la vache. Enfin là ça fait plus... Enfin genre là j'ai plus bouffé... longtemps mais pour l'instant on a dû manger qui est pas très très haut niveau. Pour l'instant on a dû manger de base, ouais. Il va m'avoir. Je vais mourir sous les défenses d'incendie. Je suis où moi? Bon, non, on va tout au bout de la... Je me suis suicidé quoi. Allez. On va aller tout au bout. J'ai sauté d'un caillou de 5 cm, je me suis cassé la cheville. Oh non. Et je le vois toujours pas au fait, hein, le point que t'as mis, hein, Jake. Je ne sais pas. Il faudra peut-être qu'on craft la table de cartographie plus tard pour synchro. Un squelette. Ouais, il faudra qu'on la fasse de toute façon. Mon premier squelette, yes. Vous avez reçu un coup mortel, merci le corbeau. Oh, j'ai récupéré des piastres. T'es sûr qu'il n'y avait pas des piastres sous le totem, ton truc de dolmen, là, Jake? Si t'as creusé en dessous... Non, j'ai rien creusé, j'ai tué un squelette et il y avait un tas de piastres. Bah c'est le loot du squelette alors, parce que... Ah ok. Vraiment. Bon, un sanglier. J'entendais un autre sanglier. Elle est où mon cadavre? Ah toi c'était mort. Oh ouais. J'ai un aguerri avec des yeux rouges. Ah, une brute. Brute naguerri. Je peux me le faire solo ou pas? Bah te prends pas le coup quoi. Un conseil. Retraite. Je crois qu'il va falloir pousser un peu plus à 64 ans. Je crois que t'as pris un coup. Moins 20 PV. Une course. Allez. Le cardio est en cours. Allez, je vous le ramène. Venez, on va le défoncer. On est deux. Sans stop. Ouais, deux à poil. Parce qu'on vient de mourir. Il me suit tout le temps. Il me suit tout le temps ou pas? Non. Non, il va finir par reset l'agro. Je suis mort. J'ai voulu lui mettre une claque, voilà. Un peu à ton âme, hein. Bon, attendez, faut que je revienne parce que j'avais plein de viande, j'avais plein de cuir. Allez. Ah, maintenant c'est la tombe d'Imura. Ah, la mienne est juste là. Alors, ah non, je vais gagner, je vais perdre tous mes niveaux. Ah, j'ai perdu tous mes niveaux d'endurance. Que quoi? Mais c'est le squelette d'Imra! Mais j'en peux pas, moi! Ouais, le squelette, Il prend 0 de dégâts pour l'instant. C'est le spawn. Ah, parce que t'en as un autre, toi? Coucou, il est derrière moi. Bon, attention, il arrive sur toi! Ah oui, c'est vrai, il y a une touche toujours courir, je crois. Ah oui. Ouais. Ouais. Voilà, c'est bon. En vrai, si tu lui tapes dans le dos pendant que je l'aggro. Attends, je me rhabille. Enfin, moi, j'ai juste mon truc de base. Hein. Ok, c'est good. Arrive. Ah oui, c'est vrai, on peut des. Oui. Pouf! Ah mais tu peux pas changer la direction quand tu cours en automatique. C'est ma direction. Bon, c'est bien, ça me permet de up mon level de course. Ici faudra creuser sous le dolmen.
Ouais. On avait activé d'enlever les symboles de mort automatiquement, c'est vrai. Là où vous êtes, c'est exactement là où j'ai mis un point trésor. Ok. Et ça, c'est la rune des sangliers, et il me semblait qu'il y a cette sanglier qu'on a vu tout à l'heure. Putain, les sangliers, ils sont jamais tout seuls, hein. Là, j'en vois plus, il y a peine à 15 sur moi. J'avais du cuir et de la viande. Attendez, j'en ai plein, moi. Je suis sûr d'en avoir vu. Ah bah, ça c'est un. Je l'ai one shot. En vrai, je pense que je vais retourner à la base, craft des trucs. Oh, ça m'a débloqué plein de craft de ramasser des. Alors mon stuff il est là-bas, je vois mon totem. Mon copain, là, il y a encore totem, une rune. C'est mon copain. C'est pas une rune de sanglier, c'est là. Arrêtez-vous voyageurs, vous êtes bien arrivés dans le dernier, le personnage du monde. Yes. À Valheim, l'air est pur, l'eau profonde est claire, et les forêts regorgent de richesses. La gloire, le plaisir et l'aventure vous attendent. Ah, cool, j'ai de l'endurance en plus. Du coup... Hop... Moi, je rentre à la maison. J'ai 3 pots de serre, 2 bouts de cuir, un trophée de sanglier, 8 piastres, un rouleau d'aluminium, du papier toilette. 3 viandes de sanglier et 4 viandes de serre. Ok. On va commencer à faire des jolis coffres. Enfin, des coffres classés. C'est un cerf, une étoile. Il ne m'a pas entendu. Ah, mais pas sûr que tu le one shot là pour l'instant. Je l'ai one shot! Oui, en mode discrétion, oui. J'étais même pas en discrétion. Moi, il y a quelqu'un qui m'a vu. Et bim! Oh, le petit cerf, une étoile là. Ah, oh, mais j'adore la lance. Franchement, c'est mon gameplay préféré. C'est trop bien. J'ai pas regardé la dure. Moi hein. Sans arme sauter. Ah, c'est vrai, faut que je. D'accord. Ici. Je peux aller voir au sud. Salut Drakan. Bonjour. La pierre et des framboises. Alors, si tu continues toujours tout droit, tu vas tomber sur la brute. Hein. Ouais, je sais. Non, c'est vers la neige et j'ai pas envie. En plein jour, elle devrait avoir des pop. Ah. Ça dépend si c'est un pop de nuit ou un pop normal. Allez, vous me le dites pas, moi, les mecs. Oh, c'est rigolo, ça. J'ai trouvé. J'ai vu une branche par terre, on aurait dit un corps. Et un cerf. Non. Ouais, ça, c'est un niveau 2, en plus, il aurait rapporté tellement de viande. Dommage. Bon, bah, moi, je up ma discrétion. Hein. Non. Moi je fais une nouvelle rue. Encore ? Ah oui, c'est vrai, il faut les récolter, j'ai oublié. Oh, t'inquiète. Bis. Ah, mais le courir tout seul il fonctionne pas quand t'es en mode discrétion. Ah, tu peux pas XP comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est un ingri ça ? Il a l'air vivace. Je sais pas ce qu'il fait. Avec un ventre plein, une voile rebondit, le poids de la lance à votre bras, le chant à vos lèvres, les montagnes peuvent. Ah oh, un sanglier! Me fait peur! Saleté de dinguerie! Bon, tant pis pour le poème. Régénérons notre endurance. Qui tape. Toc toc toc. Donc si t'es à la base, c'est pas une bonne nouvelle si ça tape.
T'inquiète pas, père, tout va bien se passer. Encore une pierre unique. Il y a quand même vraiment beaucoup de pierres uniques. Au début, oui. C'est le même poème. Oui, oui, les pierres uniques tout autour, c'est toujours le même truc. Hein. Bout de cuir. Je viens d'en poser un petit peu, je sais pas s'il y en a 20. 20 bouts de cuir, j'en ai 3 moi. Il m'en manque 5 encore. Et les bouts de cuir, c'est sur les cerfs qu'on les chope. Ça fait. Mais Joss, t'as pas de bout de cuir? J'en ai. Putain, j'en ai vu un. Il y a un cerf qui est là. Ah, j'en ai que 6. Je pensais que j'en ai plus. Il m'a vu. Passage en mode Solid Snake. Ah, j'ai retrouvé une forêt noire ici. J'ai l'impression qu'elle est très très grande au nord. Non, je suis au sud-ouest. Ah ouais. Ça se trouve, elle nous entoure. C'est la même qui fait une de haut en bas, en fait. Probablement. Je pense que c'est celle qui passe devant la neige. Changement de musique. Changement d'ambiance. L'angoisse, la terreur. La mort. Oh, j'ai trouvé un village. Mais oui, c'est là où t'as la brute. Non, c'était pas découvert ici. Bah si, c'est où j'étais. Mais il doit y avoir même sur la synchro de map. C'est là où j'ai. C'est un grand village et c'est là où il y a la brute. T'as plusieurs maisons. Mais t'as rien récolté? Bah non, parce que je me suis fait tuer par la brute. Ah. C'est pour le faire. Pour l'instant. Pour l'instant, ça va. Comment tu perds de la vie, Jake? Non, je viens d'en gagner de la vie là. Hein? Attends, parce qu'il y avait un cerf. Il y a un cerf qui fait le tour là-bas. Une tête de dinguerie. Je me focus plus sur les sangliers en fait. Vas-y. Ah mais ok, c'est un village avec une tour de dinguerie. Peut-être oui. Faut faire un massacre. Ouais, voilà, okay. Je fais le tour du village parce qu'il y a plein de sangliers. Par contre, ils ont raté leur élevage de sangliers les dingueries, hein. Plein de liberté. Oh, attends. Il est où le cerf? Qu'est-ce que c'est? J'ai vu passer un truc. Un coffre, une torche et des flèches. Je suppose que plus on coupera d'arbres, plus les animaux vont se barrer. Oui. Ok. Donc on aborde. On aborde la mission désert ardent. Non, mais en fait, on va pouvoir replanter des arbres. Oui, avec les graines de hêtre. Ouais. Et aussi pouvoir faire de l'élevage. Oui. Aïe. Ah, toi, tu t'es tapé à la brute, toi. Non! Je suis mort. Non, c'était pas la brute, c'était. Ils m'ont. C'était que des lanceurs de pierres. Hein. 4 lanceurs de pierres qui sont des snipers. Ah voilà, on peut avoir des snipers dans le jeu. Je disais bien.
Ce sont des snipers et ils avaient juste des lances. Quand, je pensais pas mourir autant de début comme ça. Prendre un petit steak quand même, Proud. Rentrons à la maison, on va aller vider notre stuff là. En plus, j'étais quasiment full également. Oula, comment ça. Moi j'ai cuit toute la viande qu'on avait. On a pas mal de bouffe, c'est bien. Attends, je te ramène d'autres. Je vais cuire le reste. D'ailleurs, pensez que vous pouvez prendre 3 bouffes différentes hein, pour les buffs. Hein. Oui. Mais 3 fois la même, c'est pas très très utile. Bah, ça marche pas de façon. Possible. Oui, ça la remplace. Alors, œil de ningris. Ah la vache. Alors, ça, on met. Ah, j'ai eu l'icône de la femme. Hein. Et le corbeau. Ah, la marche automatique, tu peux même pas rediriger, tourner. Plus ou moins parlant en ligne droite. Ça, c'est à cuire. Ça, c'est à cuire. Tiens, oui, moi, je te donne le. Merde. Au bout, bout de cuir. Passé derrière ou il est passé derrière le. Derrière le mur Non, je l'ai eu normalement. Tu l'as eu? Il y en avait 4 je crois. Ah bah c'est bon. Je vais voir si je peux. Ah. Oh, il y a plein de serres. Du coup moi je vais. Ah non, non, j'ai pas pris de silex, bois, pot de serre. Comment je vais récupérer mon stuff en fait? T'y retournes. Tu les copains qu'il y a sur place. Tu cours. Tu raccroches à la vie. Ah bah ça. Ah, il y a quelqu'un qui est juste à côté de ma tombe. Oui. Il dit qu'il va tout piquer. Ouais. Quel petit malin, t'as ferré le bon tuyau. Ah lutin voleur. Lutin, lutin, malin, esti. Ok, on la rêve. Ça me dit quelque chose. Ah, y'a du monde. Oui. C'est bon, t'as récupéré? Ouais. Ce serait pas les comptes de la rue Broca, Imra? Non, c'est la formule pour Harry Potter et la Chambre des Secrets. Quand Gilderoy Lockhart essaie de récupérer les lutins qui sont au fil de la cage. Ah oui, si, si, oui, oui, en effet. Le petit lutin. Et à la fin, c'est Hermione qui les récupère tous. Avec son sortilège qui fige le temps. Ouais, pas un peu cheaté, mais bon, ça va. je vais améliorer mon marteau. Non, j'ai pas envie d'améliorer. Pas mon marteau, je vais améliorer. Qu'est-ce que je peux améliorer? Mais il va me suivre jusqu'au bout du monde. Reviens vers moi, on peut s'en occuper. Un champ-pierre, il faut de la pierre. Mais moi je voulais aller looter la tour, donc rester dans le village. Bah allez, j'ai deux jumeaux bleus là. On remonte, vers le village. Alors, c'est quoi? Ah, c'est des vestiges. Ah oui, bah c'est pour le combat de boss, ça. Ah, demain. Okay, j'ai raté un sang de les trucs. Okay, il est complètement bourré ce sort, j'aurais pu l'avoir 30. Oh, bah y'a notre dinguerie ici. Oh, établi niveau 3, yes! Let's go!
Non, il faut qu'on se fasse tous un stuff en cuir. Attends, qu'est-ce qu'on a débloqué parce que... Le bouclier qu'on veut. J'ai pas récupéré ma lance. Parce que moi, perso, j'ai que bouclier en bois hein, pour le débloquer. Ah, mais du monde. Mais oui. T'as bouclier en bois, écu en bois ou écu en os. Ah, ouais, j'ai écu en bois et bouclier en bois, c'est tout. Et après, j'ai les tuniques en cuir et. Faut que tu ramasses un os dans un coffre pour avoir la recette, je pense. Bah, non, mais parce que j'ai déjà fait un squelette. Ou trophée de squelette, peut-être. Ah, parce que j'ai pris fragment d'os. Oh non, j'ai tout raté. T'as fragment d'os et trophée de squelette. Faut que tu prennes un de deux, je pense. Ah non, c'est pas fragment d'os. Oula, il y a une tempête. La tempête dans les gorges. Un en moins. Ah oui, mais du coup, du coup, ça fait monter l'eau. Cap en peau de cerf. Mais pourquoi il y a un X avec? Je sais pas. Mais attends, mais leur nombre augmente, c'est normal. Non, mon chat, c'est pas toi qui compte. Bon, je vais aller chasser de la peau de cerf avec mon arc. Il va falloir que vous vous stuffiez. Ah, mais la pioche, c'est la houe? Enfin, la pelle? Non. Non. Il a des yeux jaunes, lui. Ah oui, d'accord, la houe, c'est juste pour aplanir le sol. Ok. Aïe. Oh. Il m'a sauvé en me tapant avec le caillou là. Merde, j'ai pas réussi à faire mon attaque sauter. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais cassé, que j'avais complètement cassé la table de craft avec en aplanissant le sol. Mais c'est bon, je l'ai recréé. C'est pas c'est très vite des habits, on va en faire 50 hein, donc. Ils m'ont foutu à poil. Oui. Les nains me déshabillent. Oui. Mais c'est bugué ou pas? Ah, t'as ton stuff, c'est bon? Oui, c'est juste qu'il est cassé, donc je suis tout. Il y en a un autre. Où ça? Ah, oh, c'est un oui, jeu jaune, lui. Oui, ça. La tempête... La tempête casse beaucoup de choses, messieurs, dames. Oui, mais c'est pas grave, ça. Bah, on n'avait pas désactivé les dégâts au truc. Dû à la météo. Moi, je suis rentré dans la tour des dingueries. Oh, y'a rien. Tu peux réparer... c'est pour ça que j'ai réparé, mais... Si, y'a un coffre caché. Mais les dégâts de pluie, ouais, normalement... Là, c'est la mer qui a... C'est la mer qui prend le... L'homme qui prend la mer. Et la mer qui prend l'homme. Ah, il va falloir que je rentre ma... Ouais, c'est les dégâts d'eau, hein, pas les dégâts de vent qui ont été... Là, c'est la tempête. Hein. Mais il me semblait que c'était toute la météo qu'on avait enlevée. On avait laissé les dégâts d'eau au bateau, mais... Non, je crois qu'il y avait que l'eau qui était impactée. L'eau et l'émotion. Bon, ouais, ça serait bien que la météo se calme, que je puisse chasser, parce qu'avec le vent, c'est impossible que je tire un arc. Qu'est-ce que c'est? Encore un X, mais qu'est-ce que... Soit tiré par la tempête, quoi. Ah, les nix et la pluie et l'eau, j'aime bien. Effectivement. Bon, je vais attendre sachement que la tempête est calme. Je ne peux pas chasser dans ces conditions.
Santé humide, sans blague. Je suis à poil sous une tempête. Une maison. Et du coup, quand t'es humide, ah merde, bah, t'inquiète pas, je vais pas être humide longtemps. Ouais, par contre, la météo a un effet sur nous-mêmes. Non, mais moi, là, je me mets dans mon lit. Mais par contre, tu vois, comme je suis dans mon lit, en fait, je ne vois pas mon perso. Je ne vois pas mon perso. Ah, si. Ah, je suis en train de me noyer. Ah, bon. C'est tellement ça. C'est pour ça, dans la deuxième truc... Ah oui, il fait froid, oui, en effet. En effet, il fait froid, je suis sous l'eau, il fait froid. T'es un viking ou t'es pas un viking? Non mais j'adore, c'est que regarde comment je suis. J'ai littéralement sous la flotte, quoi. Oh. J'ai eu un cerf en pleine... Oui, j'ai rangé les coffres. Ouais. Coffre ici, c'est coffre de bouffe. Coffre ici c'est la pierre. Ici c'est la pierre. Ici c'est le bois. Et là-bas c'est la résine et tout. Là c'est de la bouffe. Ah mais je n'ose pas. Ouais mais attends Jack, faut les cuire ta bouffe. Bah oui mais pour l'instant je pose. J'ai beaucoup de choses. Bon je les cuis. Il y a vraiment beaucoup de nix. Tant mieux, ça fait de la viande. Ah mais les queues de nix, c'est délicieux. T'as déjà mangé ça? Oh wait. Ah mais du coup ça coupe le feu à chaque fois. Je demande. Hein. Mais oui mais c'est pour ça. Bah voilà, maintenant tu crames. Maintenant tu crames plus. J'ai fait une autre cabane. Elle est un poil plus grande. On se crame pas les fesses à chaque fois. Bah attends, cramer les fesses. On va reprendre au moins le feu. Attends, on va dans votre le miel. Le miel, il est avec la bouffe. Alors là, il y a des plumes. J'ai pas d'ossements, j'ai pas de tête. Tête de sanglier, j'ai pas de tête de sanglier. Ah si. Comment on fait pour ouvrir la porte? T'appuies dessus. Ah d'accord, t'as remis un... Alors, 6 haches, fabrication. Ah là. J'ai mis les graines avec la bouffe. Pourtant pour l'instant... Voiture. Pourquoi je peux pas dormir? Je suis humide. Mais non, je veux dormir. Ah. Je peux pas dormir non. Du coup on va tout mixer dans les coffres là-bas. Ah bah après ça, pour l'instant au début on essaie d'organiser comme un peu mais très vite ça va être le bordel. On a un pouvoir de 11 minutes là, c'est quoi? C'est le repos. C'est juste ton repos. Mon dieu ma vie, j'ai 125 points de vie, c'est bon, je suis immortel. J'aimerais que le vent se calme pour que je fasse des bois. Je mets tout dans les coffres de la maison de derrière. Ok donc. Ah mais non, mais là aussi il y a de l'eau. Ouais mais c'est parce qu'il y a une tempête. C'est parce qu'il y a une tempête, c'est pour ça. Donc là t'as mis de la bouffe. Il faut cuire la bouffe. Pourquoi t'as mis des torches? Pour éloigner les... Mais non, mais t'as mis des torches dans les coffres. Ah oui, oui. Ça sert à rien. Je la prends. Non, je suis dans le coffre, tu peux pas. Attends, tu veux la mienne aussi, j'en ai une en rab. Oui.
Arrêtez de me pousser. Je veux faire partie de tout. Je suis toute l'équipe intégrale de Koh-Lanta. Denis, allumez mon flambeau. Pas le son. Je les ai récupérés. Je suis de mieux. Enfin, garde une sur toi et le reste pour moi. Ouais. Tiens, tu peux me récupérer ça, si tu veux. Ouais. Mais pourquoi j'en ai une dans la main? J'en veux pas. Mais pourquoi j'en ai... Mais pourquoi je les ai toutes sur moi? Mais... Mais vous m'embêtez, j'étais en train de faire de la viande. Alors par contre, quand vous transférez les trucs dans les coffres, cliquez sur CTRL quand vous cliquez en même temps. Histoire que ça stack sur les objets déjà existants dans le coffre. Oui, ah, CTRL, je savais pas. Bah bien sûr. Alt... Attends. Non, c'est Shift ou Alt-Click pour faire des stacks précis. Et CTRL pour... Ah mais attends, mais les torches que j'ai sur moi, je pensais que je pouvais les poser en mode Koh-Lanta, mais en fait pas du tout. C'est juste des torches. Mais non, c'est... Bah non, c'est pas des meubles, oui, c'est pas des meubles. Oh, je suis déçu. Oh, et puis une tempête. Ouais, la tempête, c'est quand même. Ah, il y a encore du vent. On va récupérer les autres coffres. Putain, j'ai beaucoup de choses à faire cuire. En même temps, vu qu'on chasse comme des zouzous là. Voilà, c'est que du cru que j'ai eu pendant toute ma petite expédition. Avec toutes les conniques là aussi. Alors, je serais d'avis de mettre toute la bouffe dans le coffre derrière, non? Bah ouais, c'est juste à côté. Donc, attendez. La bouffe. Là. Attends. Ça. Alors. Ça va là, ça va. Non, ça c'est de la pierre. Une graine de carotte, c'est. J'ai bien fait d'avoir les ouvertures dans le toit. Comme ça, ça enchaîne pas. Bah ouais. Tout à fait. Donc ça il faut récupérer pour cuire, ça c'est cru. La viande elle se détériore ou pas? Non. Si tu la laisses trop sur le feu, oui. Ouais, pardon, ouais, non, c'était pas pour le feu. Stocker juste... non. Ah oui, non, stocker non, y'a pas de carence. Ouais, là, c'était juste pour stocker. Trosser de serre, c'est là. On va construire un bloc de coffre. Et coffre, construction, meubles. Vous n'avez rien à cuire. Ah bah oui, j'ai plus de... J'ai plus besoin de cuire ici. 6 conics, 6 gigots de sanglier et 8 morceaux de serre. Oh là là. Attends. On peut faire un buffet ce soir. Attends, ouais, de. Là, c'est la bouffe. Ouais, je suis en train de ranger. Attends, fais... Du coup, attendez. Voilà. Donc, ça, c'est. Là. Alors, là, vous avez mis la peau. Je mets la peau. Ça, c'est vide. Là, vous avez mis d'autres. Là, lui, c'est la pierre. Là, c'est un peu les trucs rares que j'ai mis. Là-dedans, là, c'est la peau. Là, c'est les plantes. La résine, on le met dans les plantes ou on le met dans les trucs rares Bah, les plantes, pour l'instant, il n'y a pas énormément de plantes. Ok, bah, non, du coup si tu veux prendre. On va avoir énormément de plantes. Les silex, ils ont été mis où? C'est vrai que ça. Pierre, tout au fond à droite. À ah, mais il était vite ce coffre. Hop. Qu'est-ce qu'il y a le corbeau? Pourquoi tu veux me parler? Ouais. Mais il disparaît. Oh, un cerf qui. Oh, le cerf 2 étoiles qui vient devant la maison! Le festin. Je m'occupe de la bouffe. Il lui manque un coup.
Il manque un coup, il est mort. Corbeau, pas maintenant. Il est en train de chasser le cerf. Voilà. Ah oui, du coup, derrière, il y a les... Soit là, faut faire de la chasse, hein. Si vous pouvez faire un arc et des flèches, faut chasser, hein. Ouais, on va faire ça. Ah, il faut du combustible. Ouh là là. J'ai eu 8 morceaux de viande et 4... Oui. Je sais que c'est pour toi, mais en fait, là, ça fait 2 heures de stream, il est 23 heures. Est-ce qu'il faut que tu y ailles ou est-ce que tu continues? À 20, j'arrête. D'accord. Je pense à toi, hein. Oui, non, mais oui, mais t'inquiète pas, j'ai regardé l'heure aussi. Mais c'est bon, je suis parti. Nous, on compte jusqu'à 10h du matin, hein, donc. Ouais, non, là, demain, là, y a travail. Là, là c'est compliqué. Là. Je serais d'avis de virer les lits et de les mettre oui, à côté. Oui, il faut les virer, les lits, il faut les mettre. Pensez à vous recliquer sur les lits après, hein, dans la maison là-bas. Bon, il suffit juste de pas mourir. Hein. Oui, bien sûr. C'est vrai que personne ne mange comme maintenant. Alors. Ah, ça enlève de l'endurance de péter les murs. Oui. Attends. Fais gaffe, il y a la tonnage ici. Ouais, bah ouais. Ah, c'est bon. Okay. Voilà, il casse tout, il casse tout. Du coup, là on fait quoi? On agrandit? Non, là on ferme. Si on agrandit, ce serait plutôt de l'autre côté, vu qu'il y a de l'eau là. Donc ok, bouge pas. Comme ça. Yes. Presque. Si? Non, c'est bon? Non, non. Ah oui, c'est un plancher, oui. C'est pas grave, c'est une maison brouillon. Mais voilà, c'est... Mais pourtant, moi, il met mur en bois. Mais ah oui, c'est l'inverse. J'ai mis, ouais. Bon, du coup, donc on augmente ici. Attends, du coup. Ouais. Après, ce qu'on peut faire. Attends, je vais refaire les lits déjà. Attends, ça va. J'y arrive. Attends, je vais aplanir. Si on peut virer le caillou qu'il y a là après, ça sera chouette. Voilà. 6 constructions. Et là, on va faire. Les lits. Il y a un coffre là-haut. Coffre secret. Mais non. Voilà, il y a venir cliquer sur vos lits, messieurs. Le mien, ouais. Vraiment, c'est bon. Oui, le tien. Bof, t'inquiète, il viendra plus tard. Alors là, on a un lit, là on a un lit. Hop, celui-là. C'est quoi le bouton déjà pour bien synchroniser? T'as écrit sur Alt. C'est quoi ton coffre, Jake? Mais tu l'as c'est vu? Mon coffre secret. Ah bah là tout le stream l'a vu là. Et puis si secret que ça du coup. Oui, enfin va regarder ce qu'il y a dedans. Voilà. Attends Jake, je vais aplanir. Voilà. C'est même pas. Alors. Tiens, vas-y Michel, je t'ai préparé les chantiers. Tu peux y aller. Combien j'ai de bois moi? Ah mais d'accord, quand je fais H, c'est pour rehausser le sol, déblayer. Ah. Ah, t'es trompé. Oh, il y a une mouette qui s'est posée devant moi. Ah merde. Bon, trop tard. Bah c'est là qu'on invoque le premier boss. Je l'ai trouvé.
Mais de toute façon, c'est indiqué sur la carte. Maintenant, non, il y a le symbole. Ouais. Bah, en fait, au spawn, on pouvait cliquer sur la première pierre qui nous indiquait le prendre le boss directement sur la carte. Alors, on va faire ça pour Jake, comme ça, ça va content. Maintenant, il va se brûler. Faut pas qu'il se brûle. Pourquoi c'est travers? C'est comme ça, ça fait plus joli. Mais non, je voulais les... Oui, oui. Attends. Non, non, mais en vrai, c'est pas de... Non, mais c'est parce qu'en fait, je suis... Voilà. Attends. C'est une porte que je veux mettre. Petite mezzanine là. Faut du bois, faut du bois. Avec son coffre. Oui. En fait, les abeilles là. Voilà, on récolte pas le miel, Jake. Ah, je l'ai fait la nuit dernière. T'as pas fait ta truc aussi. J'ai fait les deux. Ah, mais il y en a trois. Ah, mais il y en a une qui, si je l'ai pas ramassée, c'est que c'était pas possible encore. En train de mourir d'asphyxie. Tracan. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi j'ai fait. Seulement qu'on trouve le marchand et on pourra déménager chez lui. Ouais, mais ça c'est pour un noir. Hein. Voilà. Alors, Imra, il se balade par là-bas. Ouais, je vais continuer vers le sud aussi. Ah, tu veux. Ah! Oh bon, dans ce cas. On a grandi, Jake, on a grandi! Comme ça, là on est bon. Bon, je crame. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut sur moi? Non, je vais. Non. Là. Me pousse pas dans le feu! Oui, mais tu te mets devant. Je suis dans un coffre. Ah, donc je peux te suicider, je peux te tuer alors que tu fais. Voilà, je suis parti du chantier. Voilà. Maintenant, il faut un plancher. Voilà, comme ça, le lit il est en hauteur, il prend plus. J'ai entendu un X. C'est pas un X, c'est une pokéball. Pourquoi il y a une porte là? C'est moi qui mets la porte pour l'extérieur. Mais regarde, la porte elle m'arrive à ma taille. Mais attends, je suis en train de cramer. J'ai entendu un autre X. Oui, bah oui, mais c'est parce qu'il faut que je la baisse. Non, non, mais à la limite. Oula, le lag. Bonjour. À la limite. Ça on la porte, on la met ici là tu vois. Comme ça on est direct à la bonne taille. Oui. Et en plus là il y a des escaliers pour monter à l'étage.
Ah mais c'est du coup comme ça c'est merde. Si je la mets à l'envers. Comment vous avez fait? Ah oui non, c'est un craft. C'est la corche. J'ai rien dit. T'es fait pour toi la torche. Oui. Comme et, et si tu veux la déplacer comme ça tu la démontes. Et du coup on met une porte devant l'escalier ou pas Jack? Non mais en fait quand j'ai posé l'escalier à la base c'était contre l'ancien mur extérieur. Parce que je voulais m'aider à faire le toit de l'ancien truc. Et là, ce que je me suis pas rendu compte en du côté là à grandir ici en mode petite extension de maison, c'est qu'en fait le mur ici, si on le met là, on bloque l'escalier quoi. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? En vrai, c'est pas grave. Hein. On laisse une ouverture là. Pour l'instant, c'est une maison brouillon. De toute façon, c'est pas la base. La vraie base, elle pourra pas être là. Là, la porte, elle est là. Ouais. Et puis un organe, on va faire ça. Tac. Faire un mur. Waouh. Comme ça. Ou alors. Attends, c'est quoi ce bouton-là? Ou alors. On va faire de l'autre côté de Monsieur Inora. Regarde, Raquel. Tac. Vous êtes sur le stream de Valérie Damido, messieurs. Ouais. Ah, par contre, le toit, on va rigoler. Pourquoi j'ai mis tout de travers? Comment je me suis débrouillé? T'as pivoté. Attends. Le raquette n'y arrive mieux que moi. Il faut aplanir, il faut aplanir! Ah, mais fais donc, fais donc. Oh, des champignons. J'ai trop de méchants sur moi, c'est horrible. Par contre, là il faut... il faut de la pierre pour rehausser le sol. Oui. Ouais. Non mais... Attends, j'arrive, mec. Je crois. Non, 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 c'est bon, je suis juste nul. Attends, faut que je... attends. Draken, c'est un Pokémon quoi, il fait surgir la terre et la pierre. Bah oui, c'est la houe qui permet de faire ça. D'accord. On l'avait déjà fait dans le marais alors, c'est un part. J'ai trouvé de l'ambre dans un coffre. Bon, il y aura un petit trou. Là, et on va 6. Ah mais j'ai plus de bois. Ok, j'en ai 114. Avec tout ce qu'il y a dehors, y'a pas de soucis. Oui. On ferme le mur là du coup. Oui. Ah mais du coup, ouais, ça passe. Attends, je vais mettre celui du bas. Ta-ta-ta-ta, c'était bon. Non, c'est pas bon. Ça va, ça décale un peu. Non, c'est pas bon. Parce qu'après, Wedgeos, il va arriver, il va faire... Non, ça va pas, ça. Là, voilà. Non, mais faut... Voilà. Alors là, pour votre délire de construction, je m'en mêlerai pas. Non, parce que maintenant, il faut faire tout le tour. C'est du coup... Ah, oh, une tour en ruine. Une rivière, oh, c'est trop classe. Nous on est en train de faire la maison, on se fait chier, ça servira à rien du tout. Dans le lendemain, on va tout virer. Ça, ça, pas ça, hein. Ah, mais ça vous apprend. Alors. Ça vous apprend à manier le marteau. T'inquiète, j'arrive à le manier. Hop. Ah, elle est là, la tour. Ouais, mais par contre, du coup, le truc de bouffe, ça va pas. Attends. C'est vide. Le truc de bouffe, ouais, on va le décaler, du coup. Là où.
Alors. Elle est bim. 300 gliés en moins de 10 secondes. Allez. Imra, il continue par là, moi je vais partir. Moi je survis depuis 10 minutes, ça fait 15 nagris que je tue de suite là, j'en peux plus. Oh non, je vais toucher aucun des 3, sérieusement. J'ai changé de place, les coffres de bouffe, ils sont à côté du... Mmh. Ok. Voilà, ils sont à côté, comme ça on est bon. Et au moins, ouais, du coup, il faut comme ça le... La fumée sera parfaite. Ouais, tu vois les trous que j'ai laissés? Ouais. Bah c'est pour la fumée. Ok. Je crois pas les dingueries qui m'empêchent de chasser le cerf. Dépôt de cuivre. Est-ce qu'on sera mieux à faire tous les pings de cuivre à chaque fois qu'on en croise? J'en ai mis quelques-uns tout à l'heure, je sais pas si c'est apparu. Pas encore. Comment t'as fait déjà le ping tout à l'heure? Clic du milieu. Non, c'est pas ça. Non, le ping... Jake. Pour marquer le point? Ouais. Bah à droite, j'ai cliqué sur le point de la map et après j'ai spammé sur la map jusqu'à ce que ça affiche un point. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire des clics. Ok. Cuivre. Voilà. Comment t'as fait le coin, Jake? Quand tu es sur les constructions, tu as tout ce qui est foin, là t'as la croix, une croix de chaume 26 degrés. Ah, que 45 degrés convexe. Voilà. Et le bon qu'on a besoin, c'est le toit de chaume 45 degrés convexe. Troisième ligne. Ouais, premier. Mais du coup, nous on n'a pas fait un angle à 45 degrés. Là-bas, par contre, ouais, c'est pas un. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu crois des myrtilles? Bah, là, c'est une maison brouillon, tu mets des trucs. Tac. Yes. Bon, j'aurais pas grand chose à explorer ici. Et c'est déjà la fin de map. C'est l'océan. Oh, par contre, j'ai trouvé de l'étain. Du coup, c'est dans l'eau aussi, c'est de l'étain. Non, c'est pas de l'étain. Y arrive. Je vais y arriver. Voilà. J'étais en train d'essayer de le mettre aussi. C'est écrit comme ça, étant. E-T-A-I-N. Oui, c'est bon. C'était écrit sous mes yeux, mais je le voyais pas quand j'ai. À la limite. Ça serait bien un trou là en plus. Ah, il est pas aligné, Draken. Merde. Eh, c'est pas simple, hein. Yes. Mais à la limite, tu vois, regarde, attends, je vais tester un truc. Tac. Là, il est bon. Le trou qu'il y a là, tu vois, je le laisserai ouvert pour la fumée. Ah oui, ouais, ouais, c'est vrai que oui. Parce que là, je vois que... Attends, parce que ouais, il y a le truc que j'ai foutu là qui sert à rien. On l'enlève. Mon marteau. Et toi là-bas le neige, on va voler mon marteau. Merde. Salut la mouette. Silex en tout cas ici. Oh.
t'arrives à faire les coins mieux que moi. je suis en train de galérer à chaque fois pour faire les coins, c'est horrible. Et du coup, on met un plancher. En bas. Un pour deux. Non, raté. Un pour le non, dessus. Pourquoi il y a des carrés c'est rouge et des carrés c'est... C'est la solidité. Plus c'est rouge, plus t'es sûr que ça va tomber. Ah. Mince, j'ai cassé mon marteau. Je sais plus si c'est une grotte. Ah oui, c'est une grotte de troll. Oh non, je sors. Je peux pas. Du coup, l'établi, on va le mettre dans la maison. Bah laisse-le dehors, il peut être utile et dedans on a juste un rocher. On le rapprocherait pas plutôt de la maison, hein? Non, ils ont une distance assez élevée. Pourquoi t'as mis des choses là? Du quoi? T'as mis un plancher sur le toit. Bah oui, c'est pour mettre la fin du toit. Mais non. Mais si, comme ça après on fait un escalier secret. On met des trucs sur pour le coffre secret. Et on met des trucs sur le toit. Comme ça, après, tu mets plein de torches en dessus. Ouais. On peut mettre des torches et comme ça, ça nous fait un repère pour la maison, Jake. Ouais. Mais non, t'as dit que tu laissais le trou là. Oui, le trou, le trois langues, oui. Il y arrive. Merde, il a une étoile lui. Ah, rigole coup, pas. Je te laisse sur la fin parce que. Par contre, va peut-être falloir faire des piliers. Les piliers. C'est des poteaux en bois ou c'est vraiment piliers? Ouais, des poteaux en bois. Mais non! J'ai rien fait. J'étais en train de mettre mon pilier. Ah mais putain, le pilier il pète le mur! Ah non mais faut partir du bas. Faut vraiment partir du bas. Ouais mais je sais pas viser après, non. Ah oui, en effet. Ah putain, il est chiant. Aïe. Alors par contre, le pilier, alors petite astuce. Il faut qu'il puisse rejoindre vraiment un point vraiment de comment dire, de fusion du toit. Par exemple, pour renforcer un angle de mur à l'extérieur, viens. Plus simple sur un angle à 90, viens voir. T. J'adore. Ouais. Regarde, on va prendre cet angle là. Tac. Alors, pilier, c'est celui-là. Mais moi, tac. Je pensais que tu étais cliqué sur les trucs rouges. Voilà, là, j'ai mis un pilier à l'angle, t'as vu? Ah, oh, c'est juste pour ça? Là, je le rajoute à l'angle. Et l'idée, c'est que quand on va mettre le pilier central au plein milieu, il puisse rejoindre vraiment quasi parfaitement un angle de toit, un angle de planche de bois de toit, quoi. Sinon, ça tiendra pas. Est-ce que je peux le donner en même temps ? Il y a des risques, est-ce que je fais ça ? Et voilà, et là c'est l'étape où je n'arrive plus à placer les choses. Je suis nul. C'est bon. Là par exemple, celui-là que je viens de placer ici, il a rejoint un angle vraiment du toit et il est relié au sol. Et pour placer le dernier en bas, le truc de 2 mètres, j'ai pas réussi à le mettre. Donc j'ai mis un de 1 mètre. Comment t'as fait pour mettre l'escalier?
J'ai pris l'escalier, je l'ai posé. Mais, je veux l'agrandir. Ah, c'est bon. Ah, non, ouais. Je suis parti du bas. Ah, d'accord. Je suis parti du bas, je l'ai collé, après j'ai monté. C'est bon. Voilà. Du coup, moi, il reste un pilier, mais je peux pas, du coup, je peux pas le faire, un pilier. Attends, j'arrive. Bon, je m'enlève celui-là. C'est où que tu veux le mettre? Bah, c'est où il y a du rouge, en fait, pour le maintenir. Bah, en fait, je pense que le mieux ici, on va prendre l'étape intermédiaire qui est le balcon, la terrasse, l'étage. Mezzanine. Ouais, ça. Donc là, je prends ça. J'ai pris le bout de l'escalier. Et là, je vais essayer d'être doué. Hop là, là, c'est posé. Et en bas, il est posé. Il est au sol. C'est ici. Voilà, là, c'est bon. Donc en bas, là, il est par terre. Je remonte. Et là, je vais essayer de. Même si je vois plus rien. Il est à l'angle. Ah, je peux un angle. Par contre, il faudra un petit toit là. Allez, ça ira. Oh, j'ai tué un chaman. J'ai déplacé les tas de bois et de pierres. Ok. Je les ai mis un peu plus en face de la maison. Ah, graines de carottes. Oui. Comment on fait la torche Koh-Lanta? Mais c'est une brute. C'est un meuble. C'est un meuble. C'est une étagère. Je peux pas être plus clair. Hein. C'est une serviette hygiénique usagée. Ok, j'ai. Hop. Voilà. Ah, j'ai plus de résine. De la résine, il y en a plein. Hein. Oui. On a 167. Donc la résine. Oh, une grotte, c'est encore troll ça. Ouais, c'est encore un troll. Hop, là j'ai mis le bois. Le miel. Un de miel, deux de miel, deux de miel. Là, j'aurais peut-être pas dû et mettre les ruches. Trois de miel qui dit mieux. J'aurais peut-être pas dû mettre les ruches ici en fait.
On peut les reconstruire, les ruches? Oui. Tout ce que tu construis peut être détruit et reconstruit. Il faut juste ramasser les ressources. En tout cas. Nickel. C'est du coup. On est obligé de les mettre en hauteur ou pas les ruches ou... Non. Nous, on l'avait fait sur l'ancienne. On les avait mis sur un toit, mais c'était un toit qui était assez plat et un peu en mode vigne. Là, en vrai, elles sont pas bien méchantes hein, là où elles étaient. Hein. Ouais. C'était surtout pour les récupérer, il fallait qu'on saute pour. Ouais. Non, j'avais juste à cliquer. Oui, voilà, au pire, tu les mets là, pour l'instant. Voilà. Mais je déteste les nains gris. C'est pas possible. Hop, donc moi c'est bon. Bah, ça va, on a. Il y a une mouette. Salut Imra, avec plein de A. Salut. Pourquoi autant de A d'ailleurs? Pour quand il va chasser, il fait ah. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Je pense que je suis un sauvage. J'ai senti quelque chose dans ta voix. C'est vrai. On est des vikings. Exactement. N'est-ce pas, Gérard le viking? Ah, en même temps, Gérard le normand. Moi, j'aime wow. Pas ce sauvage. Mais un caillou me balance des cailloux. Le nain gris est camouflé en cailloux. Il est dans le sol. Je me fais attaquer par le sol. T'es un métamorphe. Vas-y, je me casse. Je ne combats pas les bugs. Bon. Non, c'est vrai, je suis bête. En fait, c'est vrai, on est bête tout à l'heure, Jake, quand on a cassé les... On a tué les abeilles. On avait juste qu'à prendre notre marteau et à casser la construction. Oui. Quand on s'est embêté à casser tout le truc. Pourtant il fait jour là, calmez-vous les nains gris. Non, je veux pas nager là-dedans, moi. Il a cassé les cabanes. Ah! Quoi, c'était ta cabane à toi? Mais non, c'était une cabane d'aventure. Ah, ouais. C'est du bois, j'ai besoin de bois. Oh regarde, il y a une mouette là-haut sur le toit. Et justement, c'est pour ça en fait. Mon dieu, je vois des choses qui n'existent pas. On est dans le cinquième élément aussi. Mais... Ah mais j'ai cru voir des myrtilles là où en fait il y avait juste une pierre. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis mort. Ah. Parce que je suis tombé. Il me restait 10 points de vie. Je suis tombé de l'escalier, je suis mort. Dommage. C'est pas grave, je suis juste à côté. C'est le cul d'un troll, ça? Ah, les fameux. Oh non. Oui, je suis dedans depuis le début, ouais. Signe tout, tant pis. Hop, faut que je fasse mon tour. J'ai mis le bioéthanage à l'intérieur. J'essaie de le contourner. Sage décision.
Bah après on prend faire des parcs épiques pour l'instant. Il est tellement gros, je le vois pas. Ah il est là. Ah punaise, mais t'es... Oui, t'as fait le tour du continent en fait. Oh oui, je suis en train de faire tout le tour de la montagne. D'accord, j'ai trouvé un spawn. Le continent, pour le moment, en exagérant un peu, hein, la forme, on dirait un bout de l'Afrique du Nord et un bout du Moyen-Orient. Ah. C'est vrai que j'aimais bien faire le contour des maps la dernière fois. Ah oui, je suis déjà là. Oh, ça va vite, hein, pour balle. Ah merde, le spawner est juste là, il faut pas que je me... Un squelette ? Du sel ? Erre dans la brume. Fais des poutres. Ok. Et bim. Non. Il faut vraiment partir de l'angle de la pente. De l'angle ? Ouais, un angle direct d'une planche. Ah oui, d'accord, là. Voilà, par exemple. Aïe ! La maison m'a poussé. Il est chiant, ce poteau à la con. Mais putain ! Je vais y arriver. C'est trop long, je suis trop long parce que j'arrive pas à viser pour voilà. Pas mal, mais t'aurais pu t'aider encore plus facilement. Mais j'ai perdu de la vie. Si, c'est ce bouton là. Ah bien. Facilement encore. Comment? Vraiment plus facilement. Comment? Tu colles directement tes piliers sur la maison. Et comme ça, rien ne s'effondre et tu pars du bas. Tu vois? Oui, ouais. Mais ça va pas sur le... Si, le... Oui, mais après. Tu pars du bas, tu colles bien à la maison et ça te fait une sécurité et ça s'effondre pas. Ah, où est-ce que j'ai mis mon pilier, moi? Parce que je le vois plus maintenant. Il est là. Attends, j'enlève ça. Mais non! Non, tu vas voir. Je te mets juste. Non, il est où mon pilier, je vois pas. Genre, il me touche. Non, raté, il est pas bien mis. J'arrive pas à. Où est-ce qu'il est? Il y a une grotte à squelettes? Bah oui, je crois bien. Les trésors vous attendent à l'intérieur. Merci, le camp. Voilà. Notez sur la carte. Pardon ? Il est mouru, Jake. Dégâts de chute. Alors, monsieur. Je veux bien mourir par justification ennemie. Mais je ne veux pas mourir juste parce que je me suis tordu la cheville. Heureusement que je suis là. Ah zut. Non, reviens le cerf, je te jure, je voulais pas trop de mal. Pas crédible ça. Ah oh, bon. Bah là, il s'est sauvé loin. J'ai rien d'autre à manger. Rien d'autre à manger. Ah par contre, là, si je recroise des squelettes, j'ai plus à manger, ça va faire pareil. Ah mais ça va encore vers le nord, je croyais que c'était fini. Je te vois sur la minimap, ouais. Bah en fait là j'ai recroisé un océan mais il y a toute une route qui repart encore vers le nord et j'ai pas envie d'y aller parce qu'il y a un spawner. Mais ça fait plus forêt noire là où t'es, non? C'est tout, c'est complètement de la forêt noire, j'ai rien eu d'autre que de la forêt. Qu'est-ce que tu fais dans Raken? Un étage ou c'est... Fais une mezzanine. Encore? Ah! Oh, il y a encore plein de scènes. Mais je les aurais pas. Ça. Hop. Et si jamais.
C'est dangereux. Je ne fais plus ça. Hop, voilà. Comme ça. Ah, mais alors attends. On peut faire dodo devant la mer. Oui, mais alors attends, il y a encore mieux. Alors je vais essayer de pas tomber, sinon je remeurs. Hein. Oui, mais parce que j'ai essayé de bien mettre l'escalier, mais il me peur. Non, non, non. Mais regarde. Toi, tu as mis des planches. C'est lesquelles tu peux trouver. Attends, je vais agrandir un peu. Regarde. Non, le toit. Le... Bon, c'est pas grave. J'ai agrandi un peu. Regarde. Il te faut des comme ça. J'arrive pas à la poser. Comme ça. Activé. Ou des comme ça à la limite. Même si tu veux. Ouais, voilà. Ah, oh, tu veux des. Ah oui, comme ça. Ah oui, ouais, ouais. Regarde. Ah, je suis en surpoids. Là. Ah oui. Bon, j'essaie de pas mourir. Ça, c'est que je suis en surpoids parce que. Attends, du coup, c'est... Par contre, dans la carte, regarde là. Hein. Pas, hein. T'inquiète pas, t'inquiète pas. On joue à Valérie D'Amido. Ah oui, ça oui, ça joue. Hein. Je vais regarder que 50. Hein? Et je vais faire un toit fermé. Un peu là. Merde, j'ai pas assez de bois. J'ai entendu des dégâts. Non, non. Hmm. Qu'est-ce qui pourrait bien se battre à côté de moi? Un squelette. Ah mais Jack, si tu enlèves le bio, il faut bouger la table. Non, non, laisse-la. Ouais, mais non, parce que t'as bougé le bio. Oui, mais j'ai eu... y a une table à l'intérieur déjà. Ah! Je pensais que t'avais pas bougé la table. Vous me croyez si je vous dis que deux Nyx ont tué trois squelettes? Deux Nyx seulement? Deux Nyx, trois squelettes. Ils ont défoncé. Deux Nyx Brognard! Waouh! Retrouvez-moi tous les soirs! Au château de la Brioche! Au château de la Brioche. Ouais. Oh, j'ai plus de lance. Ah bah, je peux plus me battre. Ou sinon, vous pouvez me retrouver tous les soirs au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux. Dans les eaux, Interville. Oui, bah oui, bah on est pas. Nous, il y a Interville qui est venu chez nous, monsieur. Ah bah attends, ils sont venus dans le sud-ouest aussi, hein. Dax, Mont-de-Marsan. Ouais, mais nous, ils sont venus certainement les eaux. Et ils sont jamais revenus des marais. Et ils ont été sur le parking de certainement les eaux. Waouh. Du l'ancien Leclerc. J'ai cassé ma lance, je veux rentrer à la maison. Sauf qu'il peut. Ah oui, je suis pas loin, je suis juste à côté de la maison en fait. Et je reviens. Bon bah ça veut dire que j'ai fini le tour du continent par le côté que j'ai pris. À voir ce qu'il m'aura fait. Et le nord c'est fini ou c'est il reste un bout du coup? Je me suis pas aventuré, il y avait trop de choses pas belles. D'accord, ok. Donc je sais pas combien de kilomètres ça continue au nord. Mais je n'ai pas croisé de plaine. Oui, oui, évitons les plaines pour le moment. Oui, oui, évitons les plaines pendant quelques centaines d'heures. Ah non, pas les plaines, hein. Les moustiques là, je les moustiques téléguidés. Voilà.
Est-ce que quelqu'un peut me rejoindre sur la route? Je suis de beaucoup de choses qui vont bien du coup. Tu vas dans le sens vers nous? Ouais, 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 j'arrive à la maison là. Je récupère juste ce qui est en train de cuire et j'arrive. Oh mon dieu, ils sont 6. Immergé par le nombre de 2 Gaulois. Qui c'est qui tue? Je pense qu'ils vont me lâcher, non? Ils m'ont déjà lâché alors. Attends, je t'emmène à eux parce que ça fait de la bouffe. Ah, ils sont là! Ah, ils sont là! Ils sont tous là! J'arrive! Non, garde 3. Le quatrième, il est en train d'arriver. Ah, les autres sont pas là. Et où la bagarre? C'est déjà presque fini. Non! Les autres doivent être un peu plus loin ou alors ils ont été réinitialisés. Oh, tiens, j'avais pas vu ça en passant. Il faut les pierres. Ah si, ils sont là, merde! Ils sont juste à ma gauche. Il est gros lui. Il a combien d'étoiles? Il a pas d'étoiles. Donc tu vois, ça fait 7 même là. Tu tapes pas. Allez, le dernier là. Et avant eux, j'étais poursuivi par des sangliers, mais bon, moi je vais aller me réparer. Remplacement invalide. On va regarder un peu ce que Imra a découvert. Ah ouais, on a un sacré continent. Hein. Donc il y a tout le sud qui n'a pas encore été découvert. Je pense que ni côté sud il reste pas grand chose en vrai. Au vu de la forme. On peut pas faire de feu sur les planches? Il te faut... Comment ça sur les planches? C'est ouais, au sol, tu peux pas le poser sur un truc. C'est quoi. Au sol, ouais. Ah oui, oui. Oh. Je voulais faire un phare en fait. Ah, ça me rappelle quelqu'un. C'est nul. Je suis spécialisé dans les phares, si jamais. Je voulais faire en fait, tu vois, je voulais mettre plein de feux de camp. Ah bah ça a bien grandi ici, dis donc. Comment on rentre dans la maison? Par la porte. Ah c'est bon, j'ai réussi. Je l'ai trouvé. C'était un peu compliqué quand même là. Hein. Alors là, c'est la viande cuite. C'est ça que j'étais en train de faire, la viande, c'est le même. Je n'ai plein sur moi qu'il faut que je dépose. Du coup, j'ai pas fini de cuire. Je suis mort. J'étais reparti chasser, tu vois, avant. Pas le temps. Il y a une tunique en haillon dans un coffre, c'est quelqu'un qui l'a perdu? Non, je l'ai posé, j'ai plus besoin. C'est mieux. Ah. C'est vrai qu'il faut. T'es mort? Oui. J'ai cassé le plancher en dessous de moi. Oh merde. Ah oui, y'en a un. J'ai levé la tête, j'ai fait. Ah oui! Bah ouais, vu qu'on peut pas faire de phare, ça sert à rien. En fait, le phare, on le fera plus tard. Parce qu'on va pouvoir suspendre de la lumière. Je suis déçu. Il n'y a pas besoin de mettre de bois, si? Si, pour le feu, il faut mettre du combustible. Mais normalement, dans le mode, on a fait en sorte qu'il n'y ait plus besoin d'ajouter du combustible pour le feu. Ouais, je comprends pas trop ce qui se passe. Ouais, c'est ça, parce qu'on est d'accord, il dit combustible. Hein. Oui, mais sur le jeu, qu'il t'a l'air. Ouais. Ouais, donc là, il y a les deux coffres de bouffe. Pour le moment, il n'y a que celui de gauche. Ici c'est les pierres précieuses. À côté tu as les plantes. Ensuite c'est les pierres. Et ensuite c'est les trophées, le cuir, etc. On a 5 graines de carottes.
C'est le début de la victoire, ça. Attends. Je récupère les pierres. Abritez-vous, c'est la nuit. Hop, on a 45. Ils sont tous au même endroit, ils vont tous venir ici. 45 silex, si jamais. À qui viennent, je les attends. Ça. Les IPA dorment. Là. Ah, mais là, t'es en bouffe que le coffre pas en fait. Ah, mais attends, ça c'est pas cuit. C'est vrai que Jake, il y a son coffre avec les terres, les torches. Qu'est-ce qui était pas cuit? Montez les lits si vous. Ah, je vais le faire. Ah enfin. Ouais. Venez dans votre lit, messieurs. Alors, on met. Là. Ça, on fait un lit king size, king size. Oh punaise, oui. Ah, ok, d'accord. Il en manque un. Attends, je sais, c'est de les aligner. Voilà. Comme ça, celui qui doit aller tout au fond, eh ben, il a tout traversé. Ça, ah, ouais, vas-y, je prends le lit du fond. Que ça, celui qui doit aller pisser dans la nuit, ah, eh ben, il réveille tout le monde. Voilà. Willem, Wood, ben voilà. Et ben du coup ce sera Imra qui sera dans le dernier lit. Donc Imra. Ouais, Bah en même temps Imra c'est le grand guerrier, donc il faut que ce soit le lit le plus proche pour se lever en premier. Voilà. C'est surtout si. Ah. C'est sûr c'est celui qui doit aller pisser dans la nuit et réveiller tout le monde. Voilà. On a plus de cuir du tout, il n'y a plus de peau ni cuir ni quoi. Ah, si il y a. Faut que je me donne un corps. Bah, la tunique, on peut pas la péter pour récupérer du... Non. Wow. Non, tout ce qui est crafté, c'est crafté pour... Ok. Je vais remettre des coffres. Ah bah si, elle est là, la peau et le cuir, c'est bon. Et oui, il y a tout ça. Je viens de la remettre. Ouais. Parce que je voulais savoir où je devais stacker les miens, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il faut pour faire des pancartes? Il faut du charbon. Vas-y, j'ai envie de m'habiller aussi, moi. C'est un peu rigolo pour le combat. Mais après ça, là, faut le chasser, hein. Pas le choix. Du cerf, 12 de cerf. 12 de cerf, 12, 16. 16, 22. Il faut 22 cuir de cerf, enfin, peau de cerf, par personne. Pour un stuff entier. 22 cerfs par personne. Ouais, 22 pots de cerf. Et beaucoup de sangliers aussi. Hein. J'ai pas vu de pots de sanglier dans le stock. Bah, c'est des bouts de cuir. Dégobillère. Ça sert à quoi ce truc? Ça sert à vomir. D'accord. Non, c'est parce que t'as regardé les haillons. C'est pas les haillons. Il faut pas de bouts de cuir pour l'armure. Non, non. Mais c'est sûr qu'elle est vers ça. Je savais pas ce que tu voulais écrire. Ah non, c'est pour Alors sachant que les dégobibés ça sert pour des recettes. Il sert tout pas. Voilà, j'ai mis repas précieux et plantes. Et ça on peut à peu près se... Bon, la cabane elle a une gueule un peu plus intéressante que la première fois, vous voyez. Déjà beaucoup plus organisée. Hop, un peu comme moi j'ai envie de me régénérer ma vie. Et bah du coup moi messieurs, oui ça c'est le support de tannage.
Je peux rien faire. Juste réparer mes trucs. Là, j'ai rien amélioré. T'as Wedges et Imra, ils sont déjà full stuff. Nous, Wedges, on a rien foutu encore à la maison. Comme à chaque fois. Hein, clairement, c'est stuffez-vous. Moi, je vous suis, je vous fais confiance. Je suis pareil que toi, la vache. Bon, du coup, après, on lit. Il suffit de refaire quelques sarres et là, ça. Oui. Ah, il faut mettre un feu en haut. Pourquoi ? Parce que le lit doit être à proximité d'un feu. J'ai mis la torche. Ouais, mais non, le lit doit être à proximité. Non, tu pourras pas mettre de feu en haut parce qu'il faut qu'il soit au sol. Ouais, mais attends, du coup, on va le mettre en dessous. Mais moi, je peux y aller dans mon lit. Bah non, moi, il dit le. Ouais, bah non, moi, ouais, il veut moi pas. Si. Voilà. Moi, si, il veut pas. Peut-être essayer de mettre. Tu peux pas mettre des torches. Ouais, en effet, bah à la limite, peut-être rajouter un feu en bas là. Ouais, du coup, c'est quoi déjà pour le feu? C'est ça. Ah, yes, attends, je vais tester, je te dis ça. Ah, c'est bon. Avec le feu en bas, ça passe. Donc on peut se faire enfumer la tronche. Mais non, il y a des fenêtres. Oui. Enfin, des fenêtres, il y a des trous dans les murs. Alors, je sais pas des si. Œillères. Je sais pas s'il y a des trous en bas. De quoi? Je sais pas si on a mis des trous en bas. Oui, j'en ai mis. Oui. Bon, et eh bien messieurs, du coup, oui. Allons dans le lit. Moi, je vais y aller. Oui. Donc, hop, voilà, à côté de Wedges, on fait dodo. Qui c'est qui fait des trous dans le mur. Je poste pour le stream et on va tomber du lit parce que le temps va s'effondrer. Hop, quitter le jeu. Oh, il a disparu, il a été mangé par le lit. Oui. Eh bien, ce fut fort sympathique. Oula, attends, j'ai le. Oula, c'est des connes. Du coup. Vitesse moins 5. On va faire plusieurs autres streams. Alors, pas sur, peut-être pas tout le temps le mardi, je pense. C'est pas ce qui était prévu. Alors, oui, on peut le faire mardi, mais pas tous les mardis non plus. Moi, tous les mardis, c'est sûr que comme là, la semaine prochaine, je serai pas là. Oui, mais la semaine prochaine, tu me l'avais prévenu. Voilà. Après, on s'organisera. Côté planning, normalement, il y a du Two Point Hospital qui va arriver. Il y a du Two Point Hospital, il y a du Pokémon Unite. Vendredi, on a Borderlands. Il y a Borderlands. Et peut-être des streams Valheim. Ouais. Dans la semaine. Ah, l'idée en fait, c'était vraiment les mardis. Alors, en effet, mardi prochain, il n'y aura peut-être pas de stream Valheim, voilà. Mais on pourra quand même faire du Valheim ceux qui sont présents. Oui. Le serveur pour nous reste ouvert bien sûr tout le temps. On fait ce qu'on peut et l'idée c'est d'avancer l'histoire et l'histoire. On peut appeler l'histoire parce qu'en vrai, il n'y a pas tant de lore que ça. C'est d'avancer en même temps sur des mardis. Ouais, et du coup, de toute façon, on se fera la conve. Les dispo de chacun sont assez compliqués en vrai. Ouais. Et on se fera la conve pour ceux qui, s'il faut des items qu'on farm. Ouais, on a notre canal Valheim là. Ouais. Bon, et ben, ce fut fort sympathique, messieurs. Attends, oui. Si je switch pas, tac. Je vous dis une bonne soirée, une bonne nuit. Messieurs, dames du stream, n'hésitez pas à suivre Ivasan Studio sur notre réseau sociaux, que ce soit Discord, Instagram, Facebook et Twitter, de vous abonner à la chaîne si ça vous dit, de nous follow également, et je vous dis des bisous. Bisous. Ouais, bisous.